Je vous laisse en compagnie de Stéphane Breton. Pour assurer son existence, l'homme travaille en moyenne 2 à 3 heures par jour, la femme 4 à 5 heures. Le reste du temps est consacré à la vie sociale. Assis sur le sol, allongé dans son hamac de lianes tressées ou de coton, le Yanomami mange, savoure l'énorme chic qui lui déforme la lèvre inférieure, fabrique ses flèches. La femme file le coton ou s'affaire à des travaux ménagers. Pas de classe sociale, pas de chef, pas de dieu, pas d'argent. Au moment des décisions qui sont collectives, les anciens sont écoutés. Le temps passé à la parure, les animaux familiers, les jeux des enfants, le bavardage des hommes et des femmes créent une ambiance bruyante et joyeuse, rarement troublée par une querelle intérieure ou par la guerre avec un groupe ennemi. Les arcs et les flèches partout présents sont là pour rappeler que le Yanomami tient pour essentiel, en dépit des apparences, les vertus guerrières. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. La vie est variable, aussi bien que le RIP. Tu regardais un banc de nuages descendre avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures et de tous ces regrets, de tous ces repentirs, te souviens-tu? Vague poisson, arc, fleur, surmarine. Une nuit, c'était la mer et les fleuves s'y répandaient. Je m'en souviens encore. Un soir, je descendis dans une auberge triste auprès de Luxembourg. Dans le fond de la salle, il s'envolait un Christ. Quelqu'un avait un furet, un autre, un hérisson. L'on jouait aux cartes, et toi, tu m'avais oublié. Te souviens-tu du long orphelinat des gares? Nous traversâmes des villes qui tout le jour tournaient et vomissaient la nuit, le soleil, les journées. Ô matelots, ô femmes sombres, et vous, mes compagnons, souvenez-vous-en. Deux matelots qui ne s'étaient jamais quittés, deux matelots qui ne s'étaient jamais parlé, le plus jeune en mourant tomba sur le côté. Ô vous, chers compagnons, sonnerie électrique des gares, chant des moissonneuses, traîneau d'un boucher régiment des rues sans nombre, cavalerie des ponts, nuit livide de l'alcool, les villes que j'ai vues vivaient comme des folles. Te souviens-tu des banlieues et du troupeau plaintif des paysages? Les cyprès projetaient sous la lune leurs ombres. J'écoutais cette nuit au déclin de l'été un oiseau langoureux et toujours irrité, et le bruit éternel d'un fleuve large et sombre. Mais tandis que mourant roulait vers l'estuaire tous les regards de tous les yeux, les bords étaient déserts, herbus, silencieux, et la montagne à l'autre rive était très claire. Alors, sans bruit, sans qu'on pût rien voir de vivant, contre le mont passèrent des ombres vivaces, de profil ou soudain tournant leurs vagues faces et tenant l'ombre de leurs lances en avant. Les ombres contre le mont perpendiculaire grandissaient ou parfois s'abaissaient brusquement, et ces ombres barbues pleuraient humainement en glissant pas à pas sur la montagne claire. Qui donc reconnais-tu sur ces vieilles photographies? Te souviens-tu du jour où une abeille tomba dans le feu? C'était, tu t'en souviens, à la fin de l'été. Deux matelots qui ne s'étaient jamais quittés, l'aîné portant au cou une chaîne de fer, le plus jeune mettait ses cheveux blonds en tresse. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant, la vie est variable aussi bien que le RIP. Guillaume Apollinaire, Le Voyageur. Le voyage n'existe pas en tant que tel. Il est mensonge ou souvenir. Lorsque vous allez, c'est vers. Ainsi, vous n'êtes pas rendu. La dépossession de l'ailleurs ne vous a pas défait. Vous continuez d'appartenir à vos pas, mais ne voyagez pas encore. Lorsque vous vous adossez à l'arbre du chemin, vous ne voyagez plus. Mais rien ne vous serait aussi facile que de convenir que vous venez de loin. Il faut bien que vous ayez marché. Il n'est pas un instant de notre vie qui appartienne à l'aller.
entre quels pas se cachent nos départs. Un random ridé à la peau grise, tel des faunes malicieux et grotesques, pénis brandi dans la volute aimable d'une courge, la pluie lamentable, la masse sombre des inaccessibles, les couteaux montagneux déchirant les nuages, un vieillard aux yeux blonds que je n'ai jamais vu s'approche comme s'il me retrouvait après une longue absence. Cole. La première impression qui me vient à l'esprit en pensant à Cole, celle d'un homme aux pieds nus, plongé dans la boue, qui ne cesse de marcher, de traverser des torrents glacés, de dévaler des pentes couvertes de forêts, des sentiers creusés par les pluies torrentielles dégorgeant leurs eaux mortes dans les feuilles, des pieds tordus, noueux, couverts d'écailles de terre séchées, aux ongles noircis et brillants comme les griffes d'un animal solitaire des forêts, des pieds fendus par l'eau des ruisseaux et cuits par les fournaises de la maison des hommes, des pieds ressemblant à des pneus crevés, mais ne craignant pas de mordre encore le chemin, des pieds qui veulent prendre racine, qui, s'il n'y prend garde, arrimeront cet homme ligneux dans la mousse. Nous ne savons plus ce que sont nos des pieds. Nous croyons avec beaucoup de sincérité que notre corps ne sait résister à son empreinte perdue sur le sol, à l'agression du monde, aux brumes, à la pluie, au vent, aux épines, au fouet des branches. Si nos mains ne sont plus guère des outils, mais les lettres d'un alphabet paresseux, de serments, et lui, que caresse-t-il avec des mains pareilles et des paumes en écorce, semblables à une râpe à bois ? Nos pieds, donc, sont les plus chéris de nos enfants. Leur peau est si tendre que nous leur refusons la caresse des pas. Nous avons glissé quelque chose entre le monde et nous, et finalement, c'est nous qui sommes nus. Quand je tente de suivre cet homme, qui pour tout vêtement n'a qu'un arc et parcourt la forêt comme s'il en connaissait chaque ombre, je ne peux m'empêcher d'idéaliser sa puissance et son monde. Ses forêts, ses montagnes, sont le prolongement de son intimité domestique. Il vit dans un pays où l'extérieur n'existe pas. Il ne sort, à vrai dire, jamais de chez lui. Sous le chapeau de nuages qui prête à sa vallée l'ombre d'une cave, il se sent comme moi dans ma salle de bain. Avez-vous remarqué que c'est un endroit où l'on s'y flotte le plus naturellement du monde parce qu'on s'y croit seul, c'est-à-dire chez soi. Ses pieds, des mains. Ses mains, des pieds. Stéphane Breton, Les Fleuves Immobiles. On y va ? Oui. Et on s'assoit. Bonjour Stéphane Breton, bienvenue. Bonjour. Nous avons voulu commencer cet atelier par une double lecture, celle d'un poème d'un poète que vous appréciez, me semble-t-il, et qui résonne aussi avec vos premiers écrits, parce que avant de saisir la réalité, avant de vous cogner avec elle, vous avez déjà d'abord été un homme de lettres. Vous avez un parcours qui va de la philosophie à l'anthropologie. Qu'est-ce qui finalement a déterminé votre intérêt pour le voyage ? D'où ça vient ? Et puis pourquoi vous avez décidé un jour d'en être le témoin avec une caméra. Pour moi, le voyage, c'est marcher. J'ai fait beaucoup de montagnes à une époque. Et c'est pour ça qu'en Nouvelle-Guinée, je voulais aller dans un coin de montagne, parce que si la pente n'est pas raide, j'ai le mal de mer. Et donc, le voyage, pour moi, c'est d'abord marcher. Donc, je suis parti en Nouvelle-Guinée comme une poursuite de la marche. Et quelle était la question, déjà ? Comment on voyage d'abord avec une plume et ensuite avec une caméra ? Qu'est-ce qui se passe ? La caméra, en fait, j'ai décidé de faire eux et moi parce que je me suis aperçu qu'il fallait faire un film avec ce que je ne voulais pas voir. Et que la caméra, c'est un instrument pour voir ce qu'on n'aime pas voir ou ce qu'on a du mal à voir. Et quand je me suis retrouvé en Nouvelle-Guinée, j'ai été ébloui par les paysages, les décors, les ambiances, les couleurs, la lumière. Et puis, quand je me suis retrouvé dans ce petit village, les gens avaient la tête près du bonnet, ils n'étaient pas très faciles. Je ne devais pas l'être non plus. Je voulais peut-être qu'il soit autre chose que ce qu'il n'était. Et
un moment donné, assez tard, je me suis aperçu que tout ce que je me refusais à voir, et notamment leur cupidité, disons le mot simplement, en fait, qui se situait autour de moi à distance de bras, c'était un truc qu'il fallait filmer. Et j'ai voulu filmer ça parce que c'était ce que j'avais du mal à accepter. Et donc la caméra est un instrument pour regarder ce qu'on ne sait pas voir. Mais d'ailleurs, c'est très difficile de voir, parce que dans notre vie, il y a des tas de choses qu'on ne veut pas voir. Quand on sort, quand on monte un escalier, on ne fait pas attention, on est absent à soi-même et aux gestes et aux faits. Et donc la caméra se charge de ce travail de prise de conscience et de présence. Donc dans le voyage, c'est pas mal de filmer parce qu'il y a des tas de choses qu'on oblitère, qu'on oublie, qu'on passe sous silence. La Nouvelle-Guinée, votre premier terrain, vous y allez, je crois, au début des années 80. Qu'est-ce qui vous attire tant là-bas ? Enfin, qu'est-ce qui vous attire tant là-bas ? Vous aviez entendu parler... Oui, j'avais fait des études d'ethnologie, mais... Il y a deux choses. Il y a le romantisme, puisqu'il n'y a pas d'ethnologie sans romantisme. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Les ethnologues ne sont pas des scientifiques. C'est de la flûte à bec. Un ethnologue, c'est quelqu'un qui va chez des gens et qui ouvre les yeux. C'est pas, cette histoire de science sociale, c'est le mensonge le plus meurtrier qui puisse exister. Non, on va voir des gens, on va aller voir chez eux et on regarde. Hein, la science, c'est pas plus de science que de bord au balcon, en général et en particulier d'ailleurs. Donc le romantisme d'un pays où les ombres sont belles, et puis aller le plus loin possible. Alors comme la Terre est ronde, faut faire attention parce que plus on va loin, plus on se rapproche. C'est ça le beau mystère de l'ethnologie. Hein, mais par derrière et sans le savoir. Donc le plus loin possible, c'est l'ethnologie, ça consiste pas... En quoi ça consiste ? Ça consiste à voir des gens en s'extirpant de soi-même. Et pour ça, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. C'est là où l'étincelle est la plus grande. Et donc, aller loin, contrairement à ce que m'ont dit tous mes collègues ethnologues, tu vas faire un terrain à l'ancienne, c'est d'un ridicule achevé, alors que tout est sous tes yeux. Oui, mais la vie est un parcours. Et si on part de près, on se rapproche de plus en plus de soi, c'est terrible. Donc il faut se rapprocher de soi, mais en partant de loin. C'est ça le vrai parcours. Le parcours ne consiste pas à tourner autour de son nombril. Et donc aller loin, ça veut dire ne pas bien comprendre, ça veut dire apprendre une langue, savoir comment on fait cuire une patate sous la cendre, c'est pas sous le pied d'un cheval, accepter la pluie, tout un tas de trucs comme ça. Et donc il faut aller loin, c'est pas dans les faubourgs des grandes villes du monde qu'on va apprendre ça. Quand on lit la relation, enfin on pourrait appeler ça une relation entre guillemets, les fleuves immobiles, qui raconte un petit peu qui peut-être est un condensé ou un précipité de tous ces premiers terrains que vous avez fait en Nouvelle-Guinée, en Papouasie occidentale, il y a quelque chose qui est frappant dans cet écrit, c'est qu'il est souvent sous forme aphoristique, avec des fulgurances comme ça, mais aussi il est très concret sur le fait qu'un terrain comme celui-ci, chez les Wanani, dans cette forêt lointaine, eh ben, ça se mérite quand même. Le terrain ethnographique, c'est le grand écart. On a la tête dans les nuages et les pieds dans la boue, avec des bottes. Je recommande les bottes et le chapeau. Oui, celui qu'on voyait sur la tête d'un de mes amis. Et donc la vie est faite de... La vie d'un ethnologue, elle est très contradictoire parce qu'on part avec une valise pleine d'idées, de concepts, comme on dit, qui sont totalement inutiles sur le terrain, parce que sur le terrain, pardonnez-moi, la première question, c'est où sont les chiottes ? Hein ?
Voilà, on commence par ça, et puis ensuite, la vie se déroule. Et donc, les concepts sont oubliés à la gare, ils sont mis à la consigne, et on arrive dans un endroit où règne la boue et l'attente. Et donc, j'oublie les questions, pardon, mais c'est pas grave. On converse, et donc, en fait, le terrain, c'est le grand écart entre les idées qui n'arrivent pas à trouver de champ d'observation ou d'exutoire, et puis la vie, donc sous une forme sentencieuse, aphoristique, et puis la vie quotidienne qui est envahissante et qui est la vie, tout simplement. Donc la vie dans ces coins-là, c'est marcher, c'est la pluie, c'est manger, pas beaucoup, un petit peu, voilà. Comment les Wodani vous accueillent la première fois qu'ils vous voient apparaître ? Oh, pas très bien, parce qu'ils ne m'avaient pas envoyé de carton d'invitation pour me dire « viens nous voir ». Donc l'ethnologue, d'ailleurs, n'est jamais invité. Et s'il est invité, à mon avis, il va foirer. Parce que le but de l'ethnologie, c'est non seulement de provoquer cette différence de potentiel, mais c'est aussi de se faire comprendre. L'ethnologue n'est pas quelqu'un qui va essayer de comprendre des gens, c'est quelqu'un qui essaie de se faire comprendre. Et ça, on met très longtemps à le comprendre, justement, quand on est ethnologue, parce que c'est la seule chose qui ne soit pas enseignée. L'université est un endroit où on vous apprend les choses déjà faites. Et donc, c'est impossible de les faire. Une fois qu'on a eu un doctorat ou un truc comme ça, il est impossible de faire quoi que ce soit, parce qu'on apprend les choses comme si elles avaient déjà été cristallisées. Donc, en fait, l'université, c'est mettre en scène, entre guillemets, un paradigme qui n'existe pas. Oui. En tout cas, dans ce domaine-là. C'est comme un cimetière de grands penseurs. Donc, c'est admirable, mais il est absolument impossible de se démerder avec ça. Donc, le terrain n'est pas enseigné, mais peut-être que finalement, ça n'est pas plus mal, puisque la découverte de l'ethnographie, c'est la découverte de l'incapacité complète dans laquelle on est sur un terrain, sur lequel on n'est pas invité, parce que, bien sûr, les gens qui habitent à Péta ou Schnock ne vous ont pas envoyé de carton. Et donc, vous arrivez et vous essayez de faire comprendre que vous voudriez bien rester si jamais, mais quand même. Donc, vous mettez un pied dans la porte et vous essayez d'être aimable, mais pas trop quand même. Il faut aussi s'imposer. Et c'est dans cette difficulté où il faut être à la fois discret, mais pas trop, gentil, mais pas trop... demander mais exiger, et c'est dans cette difficulté que se situe le terrain ethnographique. Donc l'idée de provoquer une différence de potentiel, je pense que c'est ça l'ethnologie. C'est provoquer un quiproquo, une perplexité, et tâcher de se faire comprendre. Et le terrain est réussi quand on est arrivé à peu près à se faire comprendre, à se faire tolérer, disons. Quel regard vous portez sur le tout premier extrait qu'on a présenté ? Pardon, mais c'est exactement ça, le cinéma documentaire. Hein ? Il n'y a pas de différence. C'est ça, le cinéma documentaire. On y viendra, bien sûr, on a le temps. Quel regard vous portez sur le tout premier extrait qu'on a présenté ici dans cet atelier, qui n'est pas un de vos films, je crois qu'il est signé Jean-Pierre Marchand. Ça s'appelle tout bêtement Les Indiens Yanomami, il date de 70. C'est un film de qui ? Jean-Pierre Marchand, je crois. Je le connaissais pas. Je porte pas de jugement, j'ai pas même d'avis, mais souvent le cinéma ethnographique est fabriqué par un être à deux têtes, une tête qui est là et l'autre tête qui n'est pas là, une tête qui est dans l'image et une autre tête qui est devant l'écran. Et donc l'une qui est présente, qui vit, qui regarde, et l'autre qui explique, qui désigne, comme si notre œil ne pouvait pas voir. Et je suis toujours un peu réticent parce que je pense que la parole doit sourdre de l'image. Y a un très beau livre de dialogue entre Truffaut et Hitchcock
dans lequel on s'aperçoit que Hitchcock est un penseur du cinéma et pas seulement un réalisateur de films superbes, mais un penseur. Et il dit cette chose qui me hante depuis toujours: tout ce qui est dit, au lieu d'être montré, est perdu. Il ne veut pas dire que la parole n'a pas de prix. On est des bipèdes parlants, donc les gens parlent comme ils fument des cigarettes. Ce qui est embêtant dans la parole, c'est quand elle s'extrait du monde pour l'expliquer. Et quand elle désigne les choses en dehors de la scène et dans la scène. Et donc ça, je pense qu'il faut faire très attention à ça, parce que ça rompt évidemment le charme à tout jamais. Et il me semble que la parole dans le documentaire doit toujours sourdre de l'image. Je dis qu'elle doit être immanente. Et donc je pense que si on entend quelque chose, il faut que ça sorte de la source visuelle, de la scène visuelle, sonore et visuelle naturellement, mais de la scène, de ce qu'on peut appeler la scène. Pourquoi ? Parce qu'on est devant la scène, et que si la parole vient du côté qui est le nôtre devant la scène, cette parole, je crois, est perdue. Mais ce qui est frappant dans ce premier extrait, effectivement, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de lettres de l'alphabet du cinéma. Il y a un travelling, mais qui est pris en légère plongée. On parle bien, là encore, de potentiel, mais sans doute pas dans le sens où vous le présentiez il y a quelques minutes. Et puis, il y a cette voix qui est au-dessus des images, juste au-dessus, et qui nous explique qu'est-ce que c'est qu'un Yanomami, enfin, qu'est-ce qu'on doit voir, et quelles sont ses préoccupations immédiates. Et puis, après ce travelling, il y a ces deux close-up qui sont assez beaux, parce que c'est tourné en pellicule. Mais on ne sait pas vraiment, au final, à qui on a affaire, ni du côté du filmeur, ni du côté des filmés, qui sont un petit peu pris dans une situation qui sont pris dans une situation asymétrique. Le cinéaste a le pouvoir d'expliquer ce qu'il montre, et c'est un petit peu un travail d'entomologiste, en fait, plus que de cinéaste. Oui, et puis il y a une question de grammaire du film. Je pense qu'il y a des tas de choses dans un film qui ont beaucoup plus de force quand elles apparaissent au second plan. Désigner un arc me semble une erreur. Ne pas le désigner me semble être la meilleure façon de lui donner de la force et de la présence. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on note quand on regarde une image, et si on les désigne, on se place en dehors du monde, on se place devant la scène, qui est la stratégie télévisuelle, disons, journalistique. Alors qu'un paysage à l'arrière-plan, un arc qui est là en passant, tout d'un coup se met à devenir un objet qui nous frappe, mais simplement le fait qu'il ne soit pas désigné le rend normal. Et c'est le fait que cet objet devienne normal qui le rend vivant, significatif. Dès qu'il est désigné, il perd son naturel, cet arc se met à exister gauchement, en somme. C'est comme avec les gens. Est-ce qu'on dirait c'est Jean-Paul, c'est Jean-Jacques, c'est Marie? On évite de faire ça, et on évite de le leur dire. Alors parler à un arc en lui disant « voici cet arc », l'arc se met à... il est gêné. Alors justement, on va passer Cristiano the second one. On va aller un petit peu dans ce premier extrait à la rencontre de Pierre, Paul et Jacques du côté de la Nouvelle-Guinée-Papouasie avec ces deux premiers extraits tirés de votre film fondateur, en fait, Eux et moi. Ouais. Eh, pané, nandom beton digli, kio. Nge. Duge. Nge. On a loupé un bain d'agui. Oh. Abba. Ba. Abba.
Je suis devenu plus patient. Je pose moins de questions. Je me contente simplement d'être là. Depuis que je me demande plus quelle est ma place, ils s'habituent à moi. Ils commencent à avoir besoin de moi comme ils ont besoin les uns des autres. Doria, il m'avouera. Il m'avouera, mais il doit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, à son bras.
Pour recontextualiser un petit peu les extraits qu'on a choisis, là on est dans le dernier tiers du film. Vous avez commencé à, comme vos interlocuteurs vous le disent, ou non, vous le dites d'abord en voix off, et puis c'est confirmé par la deuxième séquence avec votre père adoptif hein, sur place au Bapui, le monsieur à la casquette. On les a choisis parce que, au fond, plus vous êtes accepté par vos hôtes, plus ils vous le demandent de vous impliquer dans leur désir, dans leur vie en fait, et dans la façon dont ils vivent directement sur place. Donc on vous accorde non seulement du crédit, mais un certain pouvoir pour changer, modifier la réalité à laquelle que vous filmez. Et en même temps, tout ça se fait quand même sur un mode extrêmement humoristique, parce que ce qui est frappant à la vision de eux et moi, ce qui jette un pavé dans la mare du film dit ethno, c'est que c'est une comédie documentaire et que vous jouez avec vos personnages. Mais dès qu'on a une caméra, on regarde les choses très différemment, parce que tout ce qui était irritant, contrariant, désenchantant, devient drôle, comique, et on se dit, quelle merveilleuse scène, ils sont en train de se foutre de moi, comme c'est drôle. Donc, chaque fois qu'ils me tendent un piège, ils me voient savourer la situation, prendre ça avec humour, ce qui ne me ressemble pas du tout, et donc ils étaient subjugués, donc c'était une façon de complètement les désarçonner. Donc en réalité, ce qui est drôle, c'est ça, c'est qu'ils se foutent de moi, mais moi encore plus d'eux. Donc ils sont très déstabilisés, mais ils ont beaucoup d'humour. Ils savent accepter le regard en retour. En fait, c'est assez drôle parce que quand on regarde les gens comme ça, les gens ne sont pas à l'aise. Mais quand vous les regardez en train de vous regarder, ça les fait rire. Et je pense qu'un film documentaire doit plutôt jouer sur le regard de derrière, le second regard. Regardez les gens, c'est assez bête. Mais les regarder vous regardant, ça devient amusant et ça les met en valeur. Ça les met en valeur. C'est ça qu'ils sentent aussi. Ils sentent que je me fous d'eux, mais avec beaucoup d'amitié, de sympathie, curiosité, bienveillance. Donc ils aiment beaucoup, si bien qu'ils adoraient cette caméra parce que ça me changeait. C'était pas eux que ça changeait. Enfin, c'était d'abord moi que ça changeait. Et finalement, chaque fois qu'ils avaient quelque chose à me dire qui était important à leurs yeux, ils me demandaient de sortir la caméra ou de la. Je l'avais toujours sur les genoux, mais ils me disaient : il faut que je te dise un truc important, donc prends ta caméra. La caméra permettait de donner du relief à ce qu'on disait. C'était comme une saut forme notarial. De solennalité, peut-être ? Non, ça authentifiait. Ce qui vous était adressé, en fait. Ça légitimait le fait que c'était important, sérieux, que ça me concernait, que c'était drôle. Et donc, chaque fois qu'il se passait quelque chose qui avait à leurs yeux de l'importance, ils me disaient « sors ta caméra », etc. Très, très amusant. Mais ils ne savaient pas ce que c'était que le cinéma, le fait d'enregistrer, faire les prises de vue. Ils les regardaient à l'envers. Donc ils ne savaient pas ce que c'était qu'une caméra, mais ils faisaient une différence très intéressante entre la photo et la caméra. La photo, c'était comme une flèche qu'on décochait, et la caméra, c'était comme un moment passé ensemble. Donc ils faisaient la différence. Ils disaient des deux instruments que c'était mon arc, mais ils étaient capables, évidemment, de faire la différence parce que le comportement est très différent entre la photo et la caméra. Et dans la photo, on n'a pas le temps de rire. Avec la caméra, on jouit de la scène. Donc, on est beaucoup plus détendu et donc on se moque de soi-même. Et ça leur plaisait beaucoup. Ils trouvaient ça extrêmement drôle. En fait, ils avaient un petit peu intuitivement compris qu'est-ce que c'est que la relation documentaire, finalement. Il n'y a pas d'ethnologie... Et je dirais même qu'il n'y a pas de cinéma documentaire si les deux ne sont pas impliqués, si les deux côtés ne sont pas impliqués. Pour faire une bonne ethnographie, il faut que la personne en face de vous devienne ethnographe.
Et pour qu'il y ait un film documentaire, il faut que la personne en face de vous devienne documentariste, cinéaste, d'une certaine manière, à sa façon, sans la caméra. C'est pas de la démagogie de dire que ni l'ethnographie ni le cinéma ne se font seuls. C'est pas de la démagogie. Hein. On dit oui, il faut partager le truc. C'est pas dans ce sens-là. C'est que pour que les gens acceptent de faire partie d'un film, il faut qu'ils se donnent, et pour qu'ils se donnent, il faut que ce ne soit pas par narcissisme. Ils n'en ont pas une idée très claire du narcissisme. C'est ce qui fait leur charme. Et il faut qu'ils se donnent, voilà. Et il faut qu'ils comprennent, et donc il faut se donner soi aussi. Alors, en l'occurrence, là, eux et moi, je le tournais pas l'œil dans l'œil du ton, mais je le tournais caméra à hauteur des yeux, mais je libérais mes yeux. C'est-à-dire qu'ils me voyaient toujours les regarder dans le blanc des yeux, comme dans la vraie vie. Et la caméra, finalement, ressemblait à mon chapeau ou à mes fameuses bottes. Ça n'était rien de plus qu'un appendice. C'est un appendice que vous avez sorti immédiatement pour dire, écoutez, voilà, moi je suis là aussi avec cet arc-là, il faudra m'accepter comme maintenant, ça. Maintenant, je sors la caméra tout de suite, mais en Nouvelle-Guinée, j'avais une trouille bleue, j'ai donc mis des semaines avant de sortir la caméra, vraiment j'étais paniqué, absolument paniqué. Et donc les étudiants qui sortent une caméra pour la première fois, c'est une douleur terrible, parce que c'est une violation de mettre une caméra sous les yeux de quelqu'un, hein. C'est une terrible violation. Et donc c'est pour circonvenir cette gêne qu'on met en œuvre tout un tas de machins pour qu'il y ait un échange de regards. C'est précisément parce que c'est très embarrassant et très pénible et très cruel pour soi, pour les autres aussi, mais pour soi avant tout. Qu'il ne faut pas oublier. Et donc, toute la routine d'échange, de réciprocité, de toute cette espèce de petit machin qui est la matière première d'eux et moi, c'est le système pour sortir la caméra du sac, en réalité. En même temps, dans l'ergonomie même du tournage, ce qui finalement est devenu eux et moi, il y a quand même, en documentaire, on parle souvent de l'approche, de vivre avec les gens, avant éventuellement de dégainer son arc caméra. Vous aviez aussi une autre approche, c'est que vous étiez approprié la langue. Et que si vous ne parliez, vous n'auriez pas parlé Wallani, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça aurait été impossible. Et comment alors, du coup, en Wallani, vous leur avez expliqué qu'est-ce que c'était qu'une caméra, sachant que c'est un objet qui ne fait pas partie de leur monde ? Je ne leur ai pas expliqué. J'avais pas besoin de leur donner des explications. Ils ont vu à mon comportement de quoi il s'agissait. Naturellement. On dit souvent des trucs qui sont absolument aberrants. Ils ont oublié la caméra. C'est impossible d'oublier une caméra. Il y a un espèce de type avec son engin de mort qui est là comme un dingue, qui a un comportement complètement différent. Impossible de l'oublier. On ne l'oublie pas, mais on l'accepte, dans le meilleur des cas. Mais l'idée de se faire oublier, il vaut mieux l'oublier, cette idée. Elle est complètement irréelle. Donc, il découvre à votre comportement ce que vous faites avec cet engin. Et c'est pour ça qu'ils disent « ta caméra, c'est ton arc ». Et il voit bien un type qui est comme ça tout le temps. Donc, moi, je pense que l'essentiel se passe d'explications. Voilà. Je leur ai montré des photos, bien sûr, après les avoir développées et être monté avec. Ça les embarrassait beaucoup, les photos, parce que ça correspond à une composante de la personne que j'appelle l'âme psychique, le moumeyou, le reflet. Et ils étaient très troublés quand ils voyaient la photo de quelqu'un qui était mort. Parce que c'était évidemment son âme, son fantôme, si vous voulez. Curieusement, chez les Wallani, il y a deux âmes. Il y a une âme qui est l'ombre, laissée par la lumière sur le sol. Et puis, il y a l'image. Et l'image, ils la connaissent bien parce que quand on parle à quelqu'un, on se voit dans sa pupille. Et qu'est-ce qu'on voit dans la pupille de quelqu'un à qui on parle ? On voit son âme.
Donc, pour connaître son âme, il faut parler à quelqu'un, ce qui est par ailleurs assez beau. Mais donc, ils ont une connaissance de première main de l'âme, de leur propre âme. Puisque seule l'existence d'un interlocuteur lui donne une réalité. Et donc, une photo, une image filmée, c'est un jeu d'ombre, c'est un jeu d'âme, c'est leur image qu'ils voient. Et parfois fantomatique, quand la personne est morte. Alors, c'est très amusant parce que dans le premier extrait où on voit cette petite fille qui déterre une patate douce, donc, eux et moi, je leur ai montré. Je ne suis pas nécessairement partisan de montrer les films qu'on a tournés. Je pense que la réciprocité ne se fait pas là, elle se fait bien avant. Elle se fait au moment du tournage, elle ne se fait pas au moment de montrer le film. Ce serait la différence entre votre approche du cinéma et l'anthropologie partagée d'un Jean Rouch, par exemple, qui aime beaucoup cette notion de, qui aimait, pardon, paix à son âme, beaucoup cette notion de feedback, toujours rendre. Toute l'anthropologie baigne dans la mauvaise conscience qui naît de cette présence injustifiée et injustifiable d'un voyageur chez les gens qui doit restituer ce qu'il a vu. Et tout cela se fait dans un paternalisme grandiloquent où plus on essaie de rendre, en fait, plus on est surplombant. Et j'avoue que j'ai horreur de ça. Mais je reviens deux pas en arrière. Cette petite fille qui déterre une patate douce, tapatoyée, qui était absolument charmante, cette petite fille toute fragile dont la maman venait de mourir et qui était hébergée chez sa grand-mère, que j'aimais beaucoup, et qui était une femme sèche et impérieuse et assez... Et Sidagomina est assez belle. Alors elle déterre cette patate douce et puis elle dit « Oh, une patate douce !» Et sa grand-mère lui dit « Oui, c'est l'esprit des jardins qui te l'a laissé. » C'est charmant comme tout. Et quand je leur ai montré le film, toutes les scènes de « Il faut la mettre dans le lac, il faut la couper en rondelles », tout ça, ils s'en foutaient comme de l'an 40. Et cette scène a arraché aux 30 personnes qui regardaient le film des cris, des rires, de la joie. Et ça m'a fait très plaisir parce que c'est ça que je trouve le plus tendre et le plus joli, le plus simple. Donc j'étais très content de voir que finalement, nous pensions la même chose. Et... Donc la restitution, je suis pas tout à fait d'accord parce que il y a un paternalisme sous-jacent et c'est pas parce qu'il marche sur la tête qu'il est meilleur. Le paternalisme sous-jacent consiste évidemment à sentir le déséquilibre de la relation entre celui qui arrive et ceux qui sont déjà là. Et il existe ce déséquilibre, naturellement. Et il y a aussi un déséquilibre du fait qu'on s'arroge le droit de filmer les gens. Et comme je le disais, c'est très violent, et celui qui filme, mais même dans une rue de Paris, hein, c'est pas seulement dans des pays lointains, hein, c'est aussi chez soi, c'est très difficile de filmer les gens, enfin, ou alors il faut, on y arrive après des années, mais cette idée de restitution, ça n'est que l'empreinte du malaise d'avoir imposé son regard. Et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on impose toujours, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans le suivant, je filme des gens qui sont un peu réticents. C'est dans celui-là. Oui, c'est dans celui-là. C'est au début. Ce sont des gens que je connais depuis longtemps, donc je sais que c'est non pas un refus mais une réticence, sinon je ne l'aurais pas fait, et puis je sais que cette réticence, ils en viennent à bout, et moi aussi. Donc ça n'est pas une violation totale et sans lendemain. Mais je pense que de même que faire signer une décharge aux gens qu'on filme en pensant que c'est un sauf-conduit pour les filmer, je pense que
allait s'aplatir ensuite en leur montrant le truc, comme si, comme un enfant qui monte sa crotte à sa maman. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu indécent. Enfin, vraiment, ça me met mal à l'aise. Filmer, c'est un acte d'échange, et cet échange doit être établi au moment du tournage. Et s'il n'est pas établi au moment du tournage, il ne l'est jamais. Punto e basta. Au bout de combien de temps... Pardon ? Au bout de combien de temps vos interlocuteurs vous ont finalement accepté au point de vous dire « Abba », qui, je crois, en français littéral, désigne l'expression suivante « ta merde ». Alors... D'abord, on entend beaucoup dans eux et moi, oui, cet Abba. Oui, oui, quand on dit Abba, 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 ça veut dire à la fois bonjour et ça veut dire tu as raison. C'est une congratulation générale et ça veut dire littéralement ta merde. Curieux, hein. On dit aussi Apade Nambuga, ce qui veut dire je mangerai ton sperme. Alors ça, c'est entre hommes. Hein. Évidemment, les femmes sont exclues de cette congratulation. Les femmes, on se pince le sein et on dit Amano, ça veut dire... tête le sein. Mais on ne dit pas Abba à une femme. Ça, c'est un petit peu ambigu, mais entre hommes, on se le dit volontiers. C'est comme si on se disait arrête de me faire chier. Ou, hein, c'est une espèce de cordialité superlative. Mais ils n'ont pas tous été. Tout le monde, évidemment, n'a pas réagi de la même façon avec moi. Au début, les femmes étaient extrêmement réticentes. Les mômes, au bout de deux minutes, venant jouer dans mes pattes, bon, c'était très amusant, donc j'étais très copain aux mômes, avec les mômes. C'est aussi un des problèmes de l'ethnographe. Il n'arrive pas à choisir les vieux grigous avec lesquels il pourrait parler. Il a tous les mômes dans les pattes. Alors les mômes de 7 ans, c'est très mignon, ils sont charmants. Les adolescents, moi j'étais un adolescent attardé, donc je peinais d'être avec des gars en mobylette tout le temps. J'aurais bien voulu être dans la confidence des vieux sages. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus loin, qui vous regardent de haut, qui ne veulent rien avoir à faire avec vous. Et donc, bon, il faut. On n'a pas que des amis, on a des ennemis, on a des gens qui attendent de voir, et puis il y a des ennemis qui finissent par être conciliants. Donc il faut faire un travail de démarchage et de porte à porte, finalement, assez. C'est assez fatigant. C'est parce que vous n'arriviez pas là-bas les mains vides, hein, de toute façon. Pardon, vous n'arriviez pas là-bas les mains vides non plus. Non. Vous aviez les médicaments, non, déjà une monnaie d'échange. C'est pour ça qu'on a montré le deuxième extrait qui met en scène votre père adoptif sur place, au Bapui. Et j'aime beaucoup cet extrait parce que vous laissez la place à un échange qui pourrait devenir... une forme d'adieu un peu nostalgique, il faudrait que tu reviennes avec les gens de ton village, etc. etc. Et puis il y a ce silence, et dans le silence, ça on commence à cogiter, on sent les rouages tourner, et vous terminez le film comme ça, l'échange reprend. Et l'échange reprend sur une base assez triviale. Il vous demande d'échanger, parce que vous avez acquis un joli coquillage, et peut-être qu'il pourrait être remis en circulation. Oui, il aimerait bien l'avoir, quoi, hein, disons-le tout simplement. Il n'a pas tort. Hein, et oui, parce que tout le film repose sur moi cherchant à obtenir des monnaies. D'abord parce que l'essentiel de la vie de ces gens qui sont pauvres comme tout, c'est la monnaie de coquillage. Donc là, sur le truc sur les Yanomami, pas d'argent. Ah ben moi, en Nouvelle-Guinée, c'est le contraire. Hein, il n'y a que de l'argent. Il n'y a que de l'argent. Et comme l'avait vu Marcel Mauss dans le fameux essai sur le don en 23-24, dans les sociétés de Mélanésie, les valeurs, les choses qui ont de la valeur constituent la vie sociale. Sinon, il n'y a pas de vie sociale. Voilà. La vie sociale, c'est la circulation de la valeur et l'accumulation des dettes. Ah, alors chez nous, qui avons depuis le Xe siècle une notion très péjorative de l'argent, on a beaucoup de mal à accepter que chez des bons sauvages, la monnaie de coquillage soit... Vous voulez dire qu'on a beaucoup de mal à accepter que ces bons sauvages finalement ressemblent comme deux gouttes d'eau au système qu'on connaît le plus familièrement aujourd'hui. Le bon sauvage ressemble à ce qu'on aimerait être.
Hein, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est du paternalisme et qui n'est pas meilleur parce qu'il marche sur la tête. Et bon, bah, en Nouvelle-Guinée, ils ont la tête près du bonnet et ils sont intéressés avant tout, si ça ne vous dérange pas, par les monnaies de coquillage. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Je ne vais pas leur dire ce qu'il faut faire. Puis moi, je suis tout seul, ils sont nombreux et mon boulot et le boulot de l'ethnographe, c'est de se faire respecter. C'est ça qu'on oublie. On pense que l'ethnographe arrive et qu'il domine. Moi, je ne me suis jamais senti dominé. Je me suis toujours senti, au contraire, dans la position de l'imbécile qui doit montrer qu'il n'est pas si bête que ça, qu'il sait marcher. Enfin bon. Et donc, vous n'êtes jamais senti dominant, en fait, plutôt. Pardon ? Vous ne vous êtes jamais senti dominant, plutôt. Ah, jamais, non. Et j'essayais de me faire valoir, j'essayais de me justifier, de leur faire comprendre que j'étais capable de marcher, donc je cavalais comme un diable, j'essayais toujours d'arriver tout premier pour leur montrer. Alors ils me disaient, bon, toi tu sais marcher, bon, c'était déjà ça de pris. Quelquefois on me disait, au début on me disait, toi tu marches avec trois jambes, parce que j'avais un bâton. Bon, ou parfois aussi ma troisième jambe c'était mon cul. Hein, parce qu'on tombe sur le cul, donc on marche avec trois jambes. Donc on est sans cesse en train de défendre son honneur, sa vertu en permanence. Et ça aussi, c'est un truc dont on n'a pas idée quand on parle de l'ethnographie. On pense que l'ethnographe... arrive vêtu de probité et de lin blanc, que tout le monde va se prosterner, hein, comme dans les westerns ou dans, je sais pas, les films où l'étranger est pris pour un dieu. C'est ce qui est arrivé au capitaine Cook à Hawaï, et ils l'ont bouffé parce que c'est ce qui arrive de mieux à un dieu. Mais vous avez été un petit peu pris pour un dieu aussi, Stéphane Breton, un cargo culte, je crois, vous avez failli être bouffé. Hein. Pour un dieu, je n'oserais pas dire ça, pour un tiroir caisse plutôt. Le cargo culte, c'est ce qu'on appelle le culte de la marchandise qui a beaucoup parcouru ces régions au moment des contacts avec les Européens qui ont de la richesse, ne serait-ce que parce qu'ils ont un sac à dos avec des trucs dedans. Non, alors ça, c'est une corne d'abondance. Et les gens qui n'ont rien... considéraient que les voyageurs qui arrivaient avaient dans leur poche le bouton permettant l'accès direct à la fécondité universelle, les biens, l'argent. Puis il y a une chose qui est assez amusante, dont je me suis aperçu au bout d'un long moment. Ils laissent pourrir les femmes qui sont mortes dans une maison, mais les femmes qui ont eu au moins 3 enfants. Une femme qui a eu moins de 3 enfants est mise dans la sépulture, souvent dans un arbre, très vite. Mais une femme qui a eu plus de 3 enfants doit pourrir au bord d'un feu. Alors son ventre se met à gonfler, ses seins se mettent à gonfler, elle gonfle, elle se met à puer, et la couche superficielle de la peau, l'épiderme, craque, se fend, et en dessous, qu'est-ce qu'on voit ? Le derme. Eh bien, figurez-vous que le derme, c'est blanc. Si l'épiderme est pigmenté, le derme est toujours blanc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un blanc ? C'est ce qu'il y a sous un mort. Et donc, ce qu'il y a sous un mort, c'est mystérieux. Un Européen, c'est quelqu'un qui revient de chez les morts. Donc, je me suis aperçu à beaucoup de petites choses qui se posaient des questions sur l'endroit d'où je venais, quelles étaient mes intentions. Et l'ethnologue qui pose tout un tas de questions sur leur vie, leurs idées, leur façon de faire, ça ne pouvait être qu'un mort qui revenait chez lui et qui essayait de retrouver ses marques. Donc ils ont échafaudé, j'ai reconstitué ça et j'interprète aussi, parce que personne ne me l'a dit comme ça, mais j'ai fini par comprendre que j'étais à la fois un tiroir-caisse et un mort revenant du pays des morts, c'est-à-dire du pays de la fécondité, du monde de la fécondité. Mais au fond, il n'avait pas tort non plus. Tout à l'heure, il comprenait parfaitement intuitivement qu'est-ce que c'est qu'une relation documentaire, et là, il comprenait exactement que vous reveniez aussi, vous, Stéphane Breton, en tant que sur votre double vie,
pour trouver vos marques. J'étais pas un dieu, j'étais un homme, mais qui venait d'un endroit dont il fallait creuser la nature, dont il fallait comprendre la nature. Mais ils m'ont toujours pris pour un être humain. Ils m'ont jamais pris pour un être extra-humain. Ils m'ont toujours pris pour un humain, mais ils m'ont pris pour un humain venant d'un endroit qui leur paraissait quand même un peu mystérieux. Alors, on fait des tas d'erreurs dans ces explications. Bapoui me disait, toi, j'habite à Paris, c'est pas les montagnes. Alors, il me disait, tu viens d'en haut ou d'en bas, de l'amont ou de l'aval? Et comme un abruti, j'ai dit, je viens de l'aval. Et je me suis tout de suite repris en disant, non, je viens de... pas de l'amont, mais sur la pente. Et parce que l'aval, c'est ce qu'ils appellent le cul. C'est là où tout part. Le cul des eaux. Joli, hein ? Ou au rapito. Le cul des eaux. L'aval, c'est le cul des eaux. Et ensuite, ça va, on ne sait où. On ne sait où. Et donc, il fallait pas qu'ils aient l'idée que je vienne de l'aval. Hein. Non, alors là, Donc, toujours comme eux, à niveau, sur la pente. Non, sur la pente, sur la pente. Être toujours à niveau, c'est ce qui vous permettait de les filmer justement à égalité ? Ah oui, alors j'étais ni là-haut, ni en bas, et donc toujours filmé à hauteur d'homme. Oui. Alors, justement, filmé à hauteur d'homme, là, on va passer à un deuxième extrait de votre diptyque sur ces forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui se situe donc dans le ciel, dans un jardin, et qui est un petit peu la séquence centrale, le diamant du film, en fait, comme vous avez pu le dire, et on reviendra sur cette notion juste après. Aba. Nadi nambo toko nigo. Mais pas aba. Aba tapo mutoka. Do you want me to say ndaka kwande? No pe. Mwen? Ame no pe, hendo no pe. Tau. Nadi toko. Do you want me to say ndaka tapo mutoka? Ah, namo khaina. Aba. Aba, ndigli. Aba, bala. Bala. Je me mets à regarder la routine quotidienne et à profiter des petites choses. Un sentiment d'indifférence m'envahit.
Ça leur ressemble d'ailleurs plus qu'à moi. Pour la première fois peut-être, je m'accorde avec eux. C'est au moment où il faut que je m'en aille que je les rejoins vraiment. En recueillant ces impressions, je m'aperçois que ce sont les mêmes qui m'avaient frappé autrefois, en arrivant. Quand on ne connaît rien d'un endroit, on est absorbé par les détails. Les sens ne voient pas les choses de loin. Ils cherchent à recréer un univers clos, maternel peut-être. Ce sont des sensations qu'un jour, l'habitude aura cessé de percevoir, mais qui peuvent ressurgir mystérieusement. Et tout d'un coup, on se souvient de qui on était. Je perçois comme une présence l'odeur de fumée de mes carnets d'ethnologue. Il m'a fallu des années de voyage en Nouvelle-Guinée pour retrouver la simplicité des premières impressions. Ces mains qui ressemblent à des êtres dont je comprends le langage. Je suis émerveillé que les choses modestes puissent aimer ainsi la lumière. Plus je me rapproche de lui, plus je trouve que le monde est vaste.
Alors donc, cette séquence intervient à peu près au milieu du film, un peu plus loin peut-être, et tout le film tourne autour de cette séquence, en fait, que vous aviez tournée d'abord pendant le tournage de Eux et moi, qui n'avait finalement pas pu trouver une place dans Eux et moi, et sans doute peut-être parce que vous filmez de manière complètement différente. Le ciel dans un jardin, c'est l'adieu à un terrain, puisque vous savez que vous n'y reviendrez pas. Donc il y a cette nostalgie, cet endeuillement en fait, qui parcourt les images. Et puis votre grammaire de plan change aussi. Vous êtes parfois dans le plan très large pour embrasser une dernière fois du regard ce coin perdu aux antipodes où vous avez peut-être apprécié avec le plus d'intensité vos rêveries de marcheur. Et puis en même temps, vous êtes dans le très près, dans le détail, l'attention. L'attention finalement au poids des choses, et alors l'extrême simplicité, et le montage commence aussi à faire véritablement partie intégrante du film, parce que je n'ai pas évoqué non plus la première séquence où vous montez en parallèle un escalator parisien qui ressemble presque à une cascade qu'on aurait pu trouver en Nouvelle-Guinée. Et en même temps, il y a ce plan d'un homme qui se déplace sur un pont de liane et qui est à la fois très fragile et en même temps très solide, très prudent, que vous montez aussi en parallèle, au contraire, avec les déplacements presque sans aucun sens de vos compatriotes les plus immédiats, en fait, de votre deuxième vie, celle que vous menez à Paris. Oui, eux et moi et le ciel dans un jardin sont chacun le démenti de l'autre. Eux et moi, c'est un film sur les négociations, la cupidité, le mal-être de l'ethnologue qui ne voit pas les choses se dérouler comme il aurait bien voulu. Et le ciel dans un jardin, c'est un film mélancolique sur un monde très beau, qui fait naître beaucoup de nostalgie en moi, mais qui disparaît. Et donc l'un est destiné à annuler l'autre. Donc ce sont les deux faces d'une même monnaie. Non pas de coquillage, mais de papier. Et quand on découpe l'un, on découpe l'autre par la même occasion. Et Eux et moi étaient construits sur la sélection des scènes qui étaient uniquement les scènes d'interlocution et les scènes dans l'immédiat, dans l'environnement immédiat, à un mètre ou deux de mes yeux et de mes mains, alors que le ciel dans un jardin est construit sur des images beaucoup plus lyriques, donc plus vastes, plus proches. La notion de distance ne joue plus du tout de la même façon. Donc effectivement, j'avais tourné... lors du premier tournage, en fait, la séquence de Patate Douce, il y a 7 scènes tournées en l'espace de 3 ans. Hein. Bon, voilà, ça, c'est le documentaire qui, comme on le dit et comme on le répète, documente la réalité de la manière la plus fidèle, donc, c'est-à-dire de la manière la plus éclatée et de la manière chronologiquement la plus absurde possible. C'est même un devoir. Donc, c'est une scène qui réunit 3 ans. Et elle appartient pas du tout à l'idée de et moi naturellement. Donc j'ai fait le deuxième film pour la mettre. Et mon producteur, alors au cours du montage de ce deuxième film, mon producteur m'a botté le train de façon très très utile. Il m'a dit bon écoute Stéphane, où vas-tu? Alors je lui ai dit je ne sais pas. Il m'a dit qu'est-ce que tu aimes? Alors je lui ai dit écoute. Si j'aime une chose et une seule, c'est cette patate douce. Alors il m'a dit, bon, eh ben alors fais ton film sur cette patate douce. Allez, au boulot. Donc je me suis dit, j'avais besoin de ça, parce que j'étais en train de m'envaser dans des souvenirs, des impressions, tout un tas de trucs. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. J'ai finalement fait le film comme une espèce de route menant à cette patate douce et en sortant... Et donc la patate douce est le centre du film et du monde à un moment donné. Tourné donc en plusieurs fois, mais après
avec presque toujours le même éclairage, je suppose, puisque vous tournez seul, finalement. Oui, oui. Vous êtes, quand vous tournez, vous êtes l'homme à la caméra. Point. Oui. Moi, j'essaie de... Je m'intéresse... ce que je recherche, ce sont des moments partagés. Voilà. C'est peut-être que le plus simplement dit, ce serait ça. J'essaie de faire des films avec des moments partagés, c'est-à-dire des moments où ma présence et la leur communient. Ça peut être très simplement, hein, ça n'a rien de grandiloquent. On est assis au coin du feu, certains roupillent, d'autres fument, et moi je suis là, et voilà. Voilà un moment partagé. Donc j'essaie de faire un film sur un moment partagé. Et ben, ces moments partagés se répètent, s'additionnent, se ressemblent. Et donc le film butine dans ces moments. Mais ce qui est frappant dans Le ciel dans un jardin, qui est amorcé en fait avec eux et moi, parce que les personnages principaux du ciel dans le jardin sont vos voisins, ceux qui viennent s'installer dans le premier film, qui aimeraient bien avoir une maison pas très loin de chez vous. Et finalement, Le ciel dans un jardin, vous filmez vos voisins, ceux qui sont devenus vos voisins. Et oui, mais l'ethnologue, il parle à ses voisins, il ne parle pas à ceux qui ne sont pas là. Et le voisinage, c'est important. Et d'ailleurs, c'est assez souvent comme ça. Plus les gens sont près de vous géographiquement, mieux ils vous connaissent. Donc, plus ils ont tendance à vous accepter, à vous comprendre. Et ceux qui sont loin sont peut-être plus rétifs, moins bien disposés. Ça dépend parfois, mais c'est le voisinage. Et finalement, pour moi. Tout film documentaire repose sur cette expérience ethnographique du voisinage, créer un voisinage et des moments partagés. Donc finalement c'est assez primitif, le cinéma que je fais, c'est que c'est simplement l'empreinte d'une expérience ancienne, première et très simple, très terre à terre, c'est-à-dire créer un voisinage, se donner du mal pour avoir un voisinage. Dans Le ciel dans un jardin, il y a quelque chose de plus qui apparaît à l'image. C'est la première fois, si ma mémoire est bonne, que vous utilisez la musique, enfin des morceaux la musique. Qui viennent directement de votre propre village. Oui. Et qui ne semblent jamais plaqués, en fait, qui accompagnent, qui peuvent tout à fait accompagner magnifier votre voisine qui se perd un petit peu dans ce théâtre de verdure. Un moment partagé, c'est aussi un moment qui est senti et ressenti par le filmeur. Et j'aime pas beaucoup les films qui font comme si le filmeur n'était pas là, bien sûr, et donc vont illustrer les choses par de la musique ethnique. Ethnique, c'est-à-dire d'ici ou de là, hein, par de la musique locale. J'aime pas beaucoup ça parce que je ne ressens pas le partage. C'est pas moi, hein, c'est le spectateur. Enfin, c'est celui qui regarde qui compte, c'est pas celui qui filme. Celui qui filme, c'est une abstraction et ça devient un personnage avec lequel, ou sur les genoux duquel le spectateur peut s'asseoir. Mais je pense qu'il est donc important que dans le film, pour créer ces moments partagés, il y ait des choses qui fassent naître les sentiments de la présence. Et donc, c'est peut-être plus habile, plus facile de mettre une musique qui vient de mon village et qui peut correspondre à un état d'âme ou à un sentiment à un moment ou à un autre, mais qui ne soit pas de la couleur locale et de la musique de là-bas. Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux côtés. Et donc pour ça, je mets une musique qui est comme l'empreinte des sentiments du regardeur, du filmeur. Je ne sais pas si c'est toujours réussi, mais c'est en tout cas le but. Le but n'est pas d'illustrer ce qu'on voit, mais d'illustrer ce qu'on ressent en le voyant. Voilà. C'est presque l'utilisation de cette musique sur ces images en particulier, selon vous, c'est presque quelque chose qui serait de l'ordre
d'un paysage mental, mais qui est oui. invisible, mais tout en étant, tout en imprégnant l'image. En fait. Qui est comme le regard. Parce que celui qui filme, on ne le voit pas. On voit sa main, mais on ne voit pas son œil. L'œil qui voit ne se voit pas voir. C'est la grandeur du regard. Et c'est en même temps la faiblesse profonde et la grandeur profonde de l'image. Parce que nous regardons les images, photographiques ou autres, comme des objets vus, comme des spectacles. Quand nous regardons une image, nous avons peine à nous représenter qu'une image, c'est quelque chose que nous voyons ou qui a été vu. Il y a beaucoup de photographes qui inscrivent le regard dans leurs photos. Diane Arbus, par exemple, le MoMA Central Park avec une grenade qui est exaspérée par l'insistance de la photographe. La photo de Cartier-Bresson à Bruxelles dans les années 30, un type à moustache avec un chapeau melon qui regarde... je sais pas, un match de foot, un truc par le trou dans une toile. Il y a beaucoup de photographies qui renvoient le regard par l'image. Et je pense d'ailleurs que, enfin, j'essaie souvent de faire ça. On peut en parler, mais j'essaie souvent de faire ça, de faire comprendre que ce que nous voyons n'est pas le spectacle nu d'une chose indépendante, mais que c'est un coup d'œil. Autrement dit, je pense que le regard documentaire appartient à l'ère quantique. C'est-à-dire que le regard fait partie de l'objet. Il est dans l'objet. Hein, l'objet n'est pas indépendant du regard. Quand nous regardons quelqu'un, il est transformé par notre regard. Et au lieu de s'en plaindre, il faut au contraire s'en réjouir. Et il faut évidemment... contrôler cette affaire, enfin la contrôler. Il faut la connaître et il faut la convoiter, mais la présence du regard dans l'image, c'est ça une image de cinéma en réalité, et une image de documentaire. C'est ça finalement, hein, c'est pas autre chose. Enfin, en tout cas, du documentaire tel que j'essaie de le faire. Et quelle était la question encore ? Il n'y a pas de question, on converse. Mais donc, vous y avez, de toute façon, au fur et à mesure que la discussion avance, finalement, on peut aussi avancer avec les extraits. Et c'est oui, pour ça qu'avant oui. de revenir et de, avec vous sur scène et de passer aussi un petit peu, faire circuler la parole auprès du public, je voudrais passer un ultime extrait qui serait presque la conclusion d'une période de votre vie de cinéaste, comme un peu Picasso avec sa période bleue, avec un. Moi, je n'ai pas de période rose, malheureusement. Je n'ai qu'une période noire. On en parlera aussi tout à l'heure. Avec un extrait du Monde extérieur que vous réalisez en 2007 et qui refait lien avec l'ami absent, dont on devine assez bien qu'il doit vivre quelque part. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à qui vous adressez ces quelques mots filmiques, où vous essayez finalement de regarder ce qui se passe en bas de chez vous, presque avec ses propres yeux. Oui, c'est une fiction littéraire, mais beaucoup de gens me disaient, oui, bon, alors tu vas en Nouvelle-Guinée, d'accord, bon, primo, de quel droit ? Deuxièmement, c'est facile. Troisièmement, à quoi bon ? Cinquièmement, tu nous emmerdes, et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, chiche, et quand on regarde les gens, où qu'ils soient, ce sont les mêmes et on est toujours un étranger pour eux. Donc, j'ai voulu faire eux et moi en bas de chez moi. C'est beaucoup plus difficile. Dont tu n'as pas idée. Tu ne verras pas ça dans ton village.
voici de quoi il s'agit. As-tu déjà ouvert un paquet d'aliments surgelés ? Tu le trouveras toujours sous une forme rectangulaire. Cela vient de nulle part, comme les fleurs coupées. Essaie seulement d'imaginer un monde où il serait impossible de rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Regarde-moi, oui. T'as eu le temps? Ouais. Moi j'attends un ami qui va m'emmener. Je travaille juste là en face. En face? Ouais. Il y a un collègue de travail qui termine dans 15-20 minutes et puis il m'emmène jusqu'à Porte de Paris. C'est ça que je l'attends. Les veilleurs ont été postés aux portes de la ville. Ils ont pour mission de contenir le flot des choses. S'ils venaient à déborder, la ville serait engloutie. Les poubelles flotteraient comme des sachets de thé. On circulerait en barque. Les deux rives se rapprocheraient et la séparation du monde des vivants et du monde des morts serait abolie. Cela n'est pas possible. Tu n'y comprendrais rien.
imaginer un monde où il ne serait pas possible de rencontrer ceux qu'on connaît. De rencontrer quelqu'un qu'on connaît. C'est comme ça que, en Nouvelle-Guinée, j'ai décrit mon village. Je leur ai dit, sur les chemins de mon village, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Alors ça leur paraissait inconcevable. Parce que c'est une petite vallée avec des petits hameaux et on n'arrête pas de croiser sur les chemins des gens qu'on connaît, on discute avec eux, bonjour, comme dans une petite vallée. Et donc l'idée qu'on puisse croiser des gens qu'on n'avait jamais vus et qu'on ne reverrait jamais, ça leur paraissait absolument impensable. Donc je me suis dit que c'était la meilleure façon de décrire notre monde. Hein. Un monde où justement le voisinage a une toute autre nature. Et passe beaucoup par l'apparence aussi. Pardon ? Et passe beaucoup aussi par l'apparence aussi, de ce besoin d'être regardé ou d'accumuler des traces, mais qui sont finalement très dérisoires. Vous le montrez, prolifération des petits appareils de prise de vue, téléphone portable, etc., etc. Mais finalement, que regarde-t-on ? C'est... Oui, je sais pas. Enfin, j'avais pas une idée très précise là-dessus, mais il me semblait que chez nous aussi, que chez nous plutôt, on n'arrêtait pas de se regarder et de se regarder regardant et de se montrer, et qu'il y avait tout un tas de dispositifs qu'ils ne connaissent pas en Nouvelle-Guinée, liés à la circulation de notre mumeyu, de notre âme psychique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui aurait rendu perplexe les habitants de mon village. Et à quoi nous sommes habitués, puisque finalement ça tourne beaucoup autour de ça, notre affaire. C'est pas pour dire que c'est moins bien. Hein. Ah oui, ça, c'est un truc qui est important. De même que on peut pas surplomber les gens qu'on voit, il faut pas non plus se juger inférieur ou penser que le vice est de notre côté et la vertu en face. Ça, c'est criminel. Hein. C'est criminel aussi. Chacun se débrouille du mieux qu'il peut. Et donc, de même que je veux dire, cette recherche de la réciprocité, elle veut dire aussi que chacun doit défendre son rang. Hein. Donc je ne suis pas du tout partisan de l'idée selon laquelle il faudrait penser que nous vivons dans un monde monstrueux, criminel, arrogant. Mais on vit quand même dans un monde, en tout cas dans votre village, on vit dans un monde où le temps n'a plus vraiment la possibilité de s'écouler, comme vous aviez pu l'observer en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et finalement, la forme, formellement, le monde extérieur reproduit cette extrême fragmentation des temps individuels que vous essayez de saisir avec votre caméra. Et bien sûr, vous faites des rencontres, vous discutez, vous avez des échanges, notamment avec cet homme qu'on a vu en train d'attendre un ami. Et toutes les rencontres que vous filmez dans le monde extérieur sont précisément en périphérie, en fait. Il y a la centralité vide et puis il y a tous ces guetteurs qui sont un petit peu au bord du monde, finalement, un peu comme vous. C'est un peu une fable hein, aussi. Hein. C'est pas un film. Un film ethnographique est toujours un peu une fable. Hein. Mais, et surtout s'il est tourné chez nous, puisqu'il s'agit de le rendre mystérieux pour qu'il soit visible dans ses traits fondamentaux. Donc il faut un peu l'éloigner, le simplifier. Mais. On a certainement perdu beaucoup de choses, en particulier l'idée de temps, ou en tout cas, c'est un temps très différent. Et j'ai tendance à préférer le temps des Wolani. En tout cas, peut-être pas à le préférer, mais en tout cas à l'apprécier, bien sûr. Mais on a gagné d'autres choses, qui est la liberté de circulation. Donc avec le détachement et la liberté, vient la solitude et un temps fragmenté. Hein, voilà. Bon. Ah, oui. Y a pas de vérité vraie. Chacun se débrouille du mieux qu'il peut, je pense. Et eux, je les ai vus se débrouiller très bien, avec pas grand-chose.
Et nous, pas mal non plus. Moi, je pense que je pense qu'il y a quelque chose de très dangereux à croire que nous puissions avoir sur nous-mêmes un jugement qui serait de dénonciation sans paternalisme. Je pense qu'il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que la dénonciation nous met toujours dans le camp de ceux qui savent. Et c'est un camp que je n'aime pas habiter parce qu'il est hermétiquement fermé. Donc, aussi bien quand on est chez soi que quand on est chez quelqu'un d'autre, je préfère accepter le malheur plutôt que le dénoncer. Voilà. Mais cette acceptation, ce n'est pas de la résignation. Vous faites avec. C'est ? Vous faites avec. Oui, et puis, et par ailleurs, quand je vais dans des endroits où les gens ont vraiment des vies de chien, je les montre debout. Hein, je ne les montre pas couchés et battus. Je les montre debout. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Mais si la situation changeait, leur problème serait le même. Notre problème serait le même. Donc, j'ai beaucoup de mal. Il y avait dans la petite interview de Gianfranco Rossi une phrase et une image qui était assez bonne. Il disait, souvent dans le documentaire, il y en a un qui se plaint et l'autre qui explique pourquoi il a raison. Et je préfère les films d'amour, plutôt tristes, mais les films d'amour. Donc je pense que je suis plutôt du côté de l'amor fati, c'est-à-dire de l'amour du destin. Voilà. Peut-être qu'à ce stade de la discussion, il pourrait y avoir une première circulation de paroles, à défaut de monnaie de coquillage. Est-ce que quelqu'un dans le public souhaiterait intervenir par une remarque, une question, un aphorisme, un poème, enfin quelque chose, quoi. Donc encore merci. Une toute petite question. Je voulais comprendre si le choix du 4 tiers était un choix esthétique ou si c'est simplement parce qu'à l'époque vous aviez une vieille caméra qui ne filmait qu'en 4 tiers. Ah, c'est une bonne question, elle m'intéresse beaucoup. Non, à l'époque il n'y avait que du 4 tiers, mais le 4 tiers c'est le format du regard, c'est le format de notre champ de vision. Notre champ de vision, je ne vais pas faire un cours d'optique, mais notre champ de vision. Et il est complexe parce qu'il y a deux longueurs focales. Il y a un très grand angle sans bord, et puis il y a le 50 mm avec lequel on fait le point. Ça, c'est du 50 mm. Voilà. Et le 4 tiers représente l'image qu'on regarde. C'est nos deux yeux, c'est notre champ de vision concentré. Le 16/9 avec lequel je filme maintenant, c'est un format de télé où on fait primer l'objet, où c'est le format du paysage, hein, on dit portrait-paysage, hein, c'est complètement absurde. Et donc le 16/9, c'est le format où l'objet commande, le spectacle commande, et plus le regard. Et essayer de faire un plan subjectif avec du 16/9, ça ne marche pas bien. D'abord parce que l'horizon bouge, tangue. Et puis, c'est moins concentré. Donc, je préfère le 4 tiers. Et Pierre-Yves Vandeverde fait un film en 4 tiers. Et je pense que ça compte beaucoup pour que le film naisse de notre présence et de notre sentiment. Donc, moi, je suis un défenseur du 4 tiers, qui était le cinéma, le format du cinéma classique, pas hollywoodien, qui est le format de Sven Nykvist, l'opérateur de Bergman, de Van der Kuyken, de beaucoup de films de John Ford. C'est le format de celui qui regarde et pas du pot de fleurs ou de la salade qui est là et qui se fout bien de nous. Bonjour. Ici. Bonjour. Vous avez dit au début que
vous pensez que l'ethnologie n'était pas une science, que c'était un mensonge, et que c'était même un mensonge meurtrier de parler de sciences sociales. Et du coup, je me demandais si vous pouviez élaborer là-dessus, parce que je n'ai pas compris pourquoi vous disiez ça. Bon, je ne sais pas. Oh, c'est par méchanceté, essentiellement, mais une science... dès lors que l'ethnologie repose fondamentalement sur le partage de la vie, je ne vois pas bien ce qu'il peut y avoir de scientifique. C'est une humanité. C'est un très beau mot, le mot d'humanité. C'est un très beau mot, je ne vois pas pourquoi on l'a foutu à la poubelle. Je préfère le mot d'humanité au mot de science sociale. Et l'ethnologie, elle existe depuis longtemps. Quand vous lisez Xénophon qui traverse le pays des Cardouks dans l'Anabase, si ce n'est pas de l'ethnologie, c'est quoi hein? Ou le voyage de Bougainville, si ce n'est pas de l'ethnologie, c'est quoi? Donc on n'a rien inventé. D'ailleurs, les inventeurs de l'ethnographie et de l'ethnologie et de l'anthropologie et de la sociologie, ce sont des gens qui ont lu Stendhal avant d'avoir lu leurs petits camarades de jeu. Donc... La science, pas très marrant. Hein.
Thank you.
Bien, reprenons. Alors, on a choisi de rapprocher ces deux films que sont la Un été au ciel qui date, pardon, joli lapsus, Un été silencieux qui date de 2005 et La montée au ciel qui date de 2009, c'est ça ? Parce qu'ils travaillent tous les deux des motifs, pas forcément concomitants, mais en tout cas qui résonnent les uns avec les autres. Dans Un été silencieux, vous débarquez sur un terrain qui ne vous est pas vraiment familier. Il s'agit d'une estive de bergers kirghizes près des monts Tian Shan. Vous ne parlez pas la langue.
vous essayez de construire votre place en tant que cinéaste, en tant que filmeur, et puis vous êtes témoin avec votre caméra finalement d'une micro-lutte de classe entre les bergers qui viennent ici chaque été, et puis des ouvriers, un couple d'ouvriers qu'ils emploient pour les aider. Et toute cette dialectique de micro-lutte de classe est aussi entrecoupée de ces moments qui apparaissent aussi dans le montage, avec ce jeu sur les différents yeux, en fait, où on passe du regard caméra à un trou, en fait c'est du crottin de cheval ou je sais pas quoi qui est là, et puis c'est de la bouse de vache, et puis à la fin de cette séquence il y a cette irruption de la trivialité où le berger s'essuie ostensiblement les bottes sur l'herbe, sur la steppe, et la montée au ciel finalement c'est un peu ça aussi, puisque on l'a vu dans cette séquence qui suit l'apparition, l'épiphanie du berger en train de fumer sous un parapluie à la croisée de deux pentes, qui suit immédiatement, et cette discussion assez vive entre les habitants du village, de ce village népalais, indique aussi et prépare cette montée du berger vers finalement une forme de tranquillité, le ciel finalement. Il y a toujours chez vous, ou de pureté, il y a toujours chez vous, dans votre cinéma, cette dialectique qui est construite entre la trivialité des affaires humaines, surtout si elles se passent dans un contexte qui est grégaire, enfin, ou semi-grégaire, et puis cette volonté de s'abstraire en fait du commerce peut-être un peu avilissant parfois que peuvent avoir les hommes les uns avec les autres. Oui, c'est vrai. Ça fait partie du romantisme du voyage et de l'ethnographie. Tout à l'heure, je disais à quelqu'un là-haut qui doit être étudiant en ethnologie, et je voulais corriger ce que j'ai dit, parce que j'ai dit du mal de l'ethnologie. J'aime beaucoup l'ethnologie, mais j'aime beaucoup l'anthropologie sociale. Mais pour qui fait du terrain, il y a plus important que l'anthropologie sociale, c'est la vie. Et dans cette vie, les aspirations communes trouvent leur place. On n'est pas seulement en train d'étudier des systèmes de parenté ou des structures grammaticales. Il y a la vie. Bon. Et la vie, comme je le disais, et je pense que c'est vraiment important, la première question, c'est où sont les chiottes? Qu'est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on dort? Ce sont des questions triviales, mais notre vie est faite de ça. Hein, il ne faut pas l'oublier quand même. Enfin, d'ailleurs, personne ne l'oublie. Je n'ai pas de doute là-dessus. Et donc, ces questions, elles imprègnent, elles font pas partie de l'anthropologie, elles font partie de la vie, et elles font partie de la vie des gens qu'on regarde, qui sont toujours... finalement, oui, c'est toujours cette histoire de grand écart entre des aspirations, des conceptions, des théories, tout un tas de choses, et puis les commodités, les détails, les... Et moi, je trouve que ce grand écart est très beau. Finalement, il caractérise l'existence humaine. Et on essaie toujours d'aller de l'un à l'autre. Et on essaie toujours de se libérer. Et ça me permet de répondre à une autre question. Vous me demandiez pourquoi le voyage. Bon, bah, parce que c'est chouette. Ce qui est une très bonne réponse. Hein. Très bonne réponse, mais aussi parce qu'on a besoin de respirer. Hein, on a besoin. Le voyage, c'est l'extraterritorialité. On est débarrassé de tout. Hein, le seul problème, c'est ne pas être trop fatigué quand on marche, bouffer un petit peu quand même, dormir. En Nouvelle-Guinée, il fallait bien dormir parce que parfois, les marches de 10 heures, il fallait avoir encore du jus dans les veines. Donc, finalement... on devient beaucoup plus élevé quand on descend beaucoup plus bas. C'est drôle. Et ce berger népalais qui a l'air un peu fou, un peu malheureux, un peu très métaphysicien, c'était un village de brahmanes au Népal. Des gens extrêmement polis, très attentifs, ne voulant jamais blesser. Lui, par exemple, je lui disais... ce que je n'ai jamais fait, mais là, j'avais osé quelque chose d'absolument... Je lui avais dit, éloigne-toi, je reste derrière et je filme. J'ai jamais de ma vie fait un truc aussi hardi. Et au bout de 10 mètres,
Il n'en pouvait plus, il se retournait vers moi parce que vraiment s'en aller en me tournant le dos, il ne pouvait pas. Donc c'était cette politesse inouïe. La politesse, c'est quoi? C'est faire attention à l'autre et ne pas disparaître en lui tournant le dos, ce qui est un truc insensé. Donc ces gens étaient donc à la fois extrêmement fins et très métaphysiciens, des histoires de merde dans la rue en permanence. Et puis cette pureté, cette délicatesse. On le voit, hein, cet homme est, et c'est un poète. Enfin, un poète. Il y a une autre scène où il revient de la rivière et puis avec ses grands yeux un peu vagues, il me regarde et il me donne un quatrain que je n'ai pas compris tout de suite, qui était très beau, qui était en vers et que j'ai traduit en vers. Et voilà. Donc. Je trouve que dans les petits coins du monde où la vie est rythmée par pas grand-chose, il y a toujours cette espèce de magnifique tension entre le trivial et le sublime. Et l'un se nourrissant de l'autre, finalement. C'est cette tension que vous essayez de retrouver. Vous filmez seul, vous partez seul, oui, sur le terrain, mais vous montez systématiquement à deux, puisqu'il y a une deuxième personne très importante dans l'accouchement de vos films, si vous me passez l'expression, c'est Catherine Rascon, qui est votre monteuse attitrée depuis le début. Comment vous travaillez ensemble, en fait? Comment ça se passe? Vous rentrez avec des centaines d'heures de rush. Comment vous travaillez? Il faut d'abord que je dise une chose, c'est qu'à partir du moment où on séjourne longtemps et où on tourne beaucoup, il n'y a plus beaucoup de différence entre fabriquer un film, tourner un film et vivre. Et donc, il y a un phénomène qui se produit, qui est le mélange des images tournées et des souvenirs et des perceptions et souvent de l'emmerdement qui imbibe la vie là-bas. Hein, au Kyrgyzstan, je ne me suis jamais tant emmerdé de ma vie. Je pouvais passer des heures à attendre de pouvoir sortir de la yourte une fois que la pluie avait cessé, en crevant de froid et de faim. Donc, cette espèce d'annulation du moi par l'ennui, elle se met à imprégner toutes les images. Donc, une de nos amies qui n'est plus là parlait de l'imagination. Quand est-ce que vous vient l'imagination quand vous tournez? Ben, l'imagination s'en va. Elle ne vient pas, elle s'en va. Elle tire d'elle. Et donc, il est très important, au moment du montage, de passer tout ça au tamis, non plus de la vie, mais de la conscience froide. Et ma monteuse Catherine Rascon, qui est devenue une amie par la suite et avec qui je m'entends très très bien, elle, le premier public, parce qu'un film, comme un livre bien sûr, mais un film est donné à quelqu'un. La différence entre un livre et un film, c'est qu'une phrase peut être modifiée, pas une scène. Et donc, il y a dans une scène tournée une lutte au couteau entre l'intention et l'existence, qui n'existe pas dans une phrase, parce qu'on peut toujours sortir, la marquise sortie à 5 heures, non, merde, à 7 heures. Facile, dans le cinéma, vous ne pouvez pas changer votre phrase. Elle est là pour toujours. Donc, soit elle reste, soit elle va au panier. Et une phrase qui correspond pas tout à fait à ce dont vous avez besoin pour le film, mais qui est encore imprégnée du désir d'être présente, parce qu'il y a quelque chose, elle lutte cette image. Donc ce qu'on disait, ce que cette jeune femme disait tout à l'heure à propos de l'imagination, il faut le prendre à l'envers. C'est que l'imagination lutte contre les images et non pas au profit des images. Et il faut absolument arriver à filtrer tout ça, à tamiser tout ça. Finalement, le cinéma documentaire, ce sont les images qui sont réelles, c'est pas le monde. Nous ne filmons pas le monde, nous filmons des images. Et ces images, une fois que nous les avons prises, elles sont là pour toujours et à jamais. Et si on s'est gouré, si on n'était pas dans le rythme, si on a compris trop tard, si on a raté un truc, techniquement ou moralement, ça reste. Donc un film se fait avec des morceaux déjà écrits, qu'on ne peut pas changer, et qui sont des morceaux de notre vie. C'est ça la différence avec la littérature. Et
Je ne dis pas que c'est plus difficile que la littérature. Je pense que c'est plus facile, mais je pense que c'est plus contraignant parce que justement nous débattons dans la trivialité de l'inachevé, du mal compris, du foiré lamentablement, de la mauvaise humeur, du type fatigué le matin, etc. etc. Chose qui n'existe pas, semble-t-il, dans la littérature. Donc il est beaucoup plus difficile de s'exprimer dans un film. Et la monteuse est là pour nous réveiller. Et en réalité, c'est pas qu'elle fasse le choix, c'est qu'il y a un phénomène très amusant. C'est que quand on regarde les rushs, à côté de quelqu'un qui n'était pas soumis à la beauté et au tracas de l'existence qu'on a connu au moment de tourner, on la lui fait pas. On ne peut pas lui raconter de sornette. On ne peut pas lui dire « Ah, c'était merveilleux », elle s'en fout complètement. Et Catherine Rascon, qui est une fille qui a un talent absolument inouï, que je crois ne pas avoir vu sur la de transparence complète entre ce qu'elle ressent des images et ce que les images fournissent. Elle voit une image comme Yehudi Menuhin joue du violon. Elle ne voit pas l'image, elle la respire. Elle est très talentueuse. Pour ça, et pour beaucoup d'autres choses, mais essentiellement pour ça et au début. Et donc, le fait de regarder un truc avec elle, je sens dans son silence, dans sa respiration qui change imperceptiblement, je sens ce que valent les choses. Et donc, je les confronte en permanence à ce dont je me souviens, à ce que j'ai voulu faire, à ce que j'ai raté, etc. Donc, il est très important, je crois, par méthode, de voir ses rushs avec quelqu'un. Pour que tout d'un coup, la conscience de quelqu'un d'autre se mette à habiter des images qui ne vont pas changer. Et comme on est prêt à se mentir, évidemment, comme on fait en permanence, on ne cesse de se mentir et de travestir les faits et la réalité et nos impressions, et Dieu merci, là, on est obligé au contraire d'être sans aucune pitié. Donc je pense que, de même qu'on écrit seul, on doit dérocher à deux, me semble-t-il. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Et bon, de manière à... D'autant que les films que je fais sont des morceaux de ma propre vie. Je n'ai pas beaucoup de distance avec ce que je filme. C'est le principe. J'essaie de ne pas en avoir. Je me jette dedans. Et donc, en sortant de l'affaire, en sortant du bain, je suis mouillé. Et donc on épluche les rushs dans l'ordre chronologique, on les regarde de la première à la dernière seconde, dans l'ordre chronologique. Une fois qu'on a fini une bobine ou une heure ou une journée, on en parle. On note une étoile, deux étoiles, très bon, merdique, utile. Parce que dans un film, il n'y a pas que des belles choses. Hein. Il y a beaucoup de plans, beaucoup de scènes, beaucoup de choses qui sont parfois moches. Et qui joue un rôle absolument essentiel d'aération, de conduite, de transition, d'ouverture. Et un beau film est fait avec beaucoup de choses insignifiantes. Pas seulement avec les scènes dont on est content et qui, croit-on, espère-t-on, ont de la grâce. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont très triviales dans un film. Et c'est très important. On ne peut pas tenir le choc d'un film qui ne serait constitué que de belles choses. Et que de choses profondément senties, c'est pas possible. Le film deviendrait insoutenable, il deviendrait pédant, on s'ennuierait à mourir, ça serait saturé, on n'en pourrait plus. Et donc il faut qu'il y ait des choses ordinaires. Et le dosage entre l'ordinaire et ce qu'on espère être le sublime, c'est-à-dire ce qu'on a vécu avec émerveillement et ce qui revient avec émerveillement, ce dosage il est difficile et il faut qu'il y ait un œil indifférent. Un œil indifférent, c'est-à-dire un œil qui soit capable de dire « Oh, je comprends rien à ce truc-là ». Et elle me le dit, Catherine me dit « Je comprends rien à ton truc, c'est quoi ça ?» Je dis « Tu es sûr ? Tu es sûr ?» Et mon cœur est brisé, et je me dis « Mais c'est pas possible, ce truc qui était absolument merveilleux, dont je rêve depuis une semaine, ne vaut rien. » Alors assez souvent, je me résigne à faire confiance à son jugement, assez souvent, je...
Et c'est important, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, le film se construit véritablement à deux. Oui, dans un dialogue. Dans un dialogue. C'est une chose qui est assez importante. Comme je filme et que je fais tout, et que je suis à la fois assistant, régie, et puis opérateur, et tout le machin, et que j'en ai... quand même, le sac est assez lourd. Au montage, je me mets sur un canapé, je ne touche à rien, et j'essaie de garder un peu de distance. C'est elle qui pianote, alors on parle 99% du temps, puis ensuite, en deux coups de cuillère à peau, elle règle la scène, c'est... fait les boutons, les machins, les trucs. Le montage est un art mental, hein, c'est pas, y a pas de technique dans le montage, c'est un art mental, et bon, elle connaît la bécane par cœur, donc ça, les scènes sont montées en deux minutes. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je construis le film sans y toucher. Et je tiens beaucoup à ça, j'ai pas envie de m'emmerder avec des boutons, des trucs, des machins, alors, et donc c'est son affaire et donc c'est il y a que le cinéma documentaire, je pense, qui soit composé de ces deux moments très différents, le tournage et le montage. Le montage dans la fiction est moins important que dans le documentaire parce qu'on suit un récit, il y a un plan, il y a un discours qui est préétabli, sans quoi on n'aurait pas pu tourner. Donc il a moins d'importance. Dans le documentaire, le montage a énormément d'importance, parce que... Enfin, dans mes films, il n'y a pas d'histoire préalable. L'histoire est trouvée sur le coup. Et donc le montage fabrique une histoire avec des phrases déjà écrites. C'est un drôle de truc, très très frustrant, hein. Si on pouvait réécrire les plans, on ferait des films sublimes. Mais on ne peut pas. Il y a donc le travail du montage, et dans le travail du montage, il y a aussi parfois des interventions, enfin, vous retouchez un petit peu, entre guillemets, avec un commentaire qui se raréfie finalement avec le temps. Pas toujours, non. Mon dernier film parle d'un bout à l'autre en cavalant. Il est hanté par la parole. Cette histoire de la parole dans un film documentaire, elle est intéressante parce que il y a deux types de paroles dans un film documentaire. Il y a l'explication, ce qu'on appelle le commentaire. Ça veut dire qu'on commente. Comment donner de la vie à ce qui n'en a pas. Donc c'est plus une incantation qu'un commentaire. Et puis, on peut arriver quand même à donner de la vie à quelque chose qui, espérons-le, c'est pas à moi d'en juger, mais qui en aurait déjà. Et à ce moment-là, la voix, elle est un peu comme la musique, l'expression de la présence du regard. Alors moi, c'est ça que j'aime bien. On voit ça dans les films de Sokourov, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les films de Sokourov, mais il y a sa voix magnifique qui imprègne l'image. Et j'aime beaucoup ces moments dans le cinéma qui ne documente rien sinon l'âme ou les âmes, ces moments où on ne sait pas très bien si on a vu ou entendu une chose. Et... Par contre, il y a des films où on sait qu'on a entendu quelque chose. Et c'est perdu. Tout ce qui est dit, au lieu d'être montré, est perdu. Mais si on ne sait pas, si on ne l'a pas vu, alors là, c'est bien, il y a une espèce de mystère. Et c'est là que la fameuse imagination intervient. Parce qu'une image fait naître des images. Non pas des images réelles, naturellement, des pensées. Et quand on regarde un film, on n'arrête pas de penser. Et à autre chose que le film. Au fait que j'ai mal dormi. Au fait que, tiens, j'ai oublié d'appeler un tel. Ou bien au fait que cette nuit, j'ai rêvé à telle chose. Ou bien l'autre jour, dans le train, j'ai vu une fille que j'ai aimée brièvement. Et toutes ces pensées...
elles ne sont pas malheureuses, un film n'est pas mauvais s'il donne ses pensées. C'est une merveille que des pensées puissent naître des images et que des pensées qui n'ont rien à voir avec les images puissent naître. Donc je les accueille, ces pensées. S'il y a de telles pensées dans un film et qu'elles nous mettent dans cette position d'attention flottante, c'est une merveille, c'est comme au concert. Il y a un moment donné, on ne sait plus où on est, on ne sait plus à quoi on pense. Et si la musique nous fait penser à autre chose qu'à la musique, ça veut dire qu'elle est réussie. On n'est pas en train de penser à la musique quand on écoute de la musique. Et il faudrait que quand on écoute un film, on l'écoute comme on regarde de la musique. Il y a des compositeurs qui sont des compositeurs très visuels. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en connais au moins deux, qui sont Debussy et Bartok. Et j'ai une passion pour Debussy. Quand j'écoute Debussy, je vois des choses. Je suis complètement dédoublé entre le regard, l'imagination et l'ouïe. Et je pense que les grands films, les films que j'aime, par exemple ceux de Sokourov, ceux de Van der Kuyken, sont des films dans lesquels je ne sais plus très bien si j'ai affaire à des images réelles ou à des images imaginées. Je ne sais plus très bien si j'ai affaire à l'œil ou à l'oreille. Et je suis dans un espèce d'état de perception un peu particulier. Et c'est ça que j'aimerais bien arriver à faire. Vous y êtes arrivé quand même un petit peu dans votre parcours, ce qui va nous permettre de passer en fait comme le temps file, à la dernière partie de cet atelier, avec un nouveau terrain sur lequel vous avez filmé au moins deux films. Je parle de la Russie. On va voir maintenant deux extraits tirés de vos derniers films, Quelques jours ensemble, le premier, et Les forêts sombres, qui sera projeté en intégralité ce soir, ici même, je crois. Ce qui nous permettra aussi de revenir sur cette question du statut de la parole, et ce que vous enregistrez, et ce que vous aussi... Les interstices aussi que vous occupez avec votre parole ou avec celle d'un autre, comme c'est le cas du deuxième extrait qu'on va voir maintenant. Ну, ребята, имейте слово. Спасибо. Им проще. Самое главное, никогда вот просто так вот не дергать, никогда им не шевели. Как говорится. 81 год. Герат. Город. Афганистан. Глубина разведка, гость мы и там, и здесь, и там, и здесь. Остаемся мы вдвоем, я и Птаха. Птаха это как, у него была ваша фамилия, мы все позвали Птаха. И вот я его в мечеть заволакиваю, тащу. У него полбока вот так вот оторван. Просто оторван. Но он еще импульс жизни какой-то дает. Мне 19 лет, ему 21. На 2 года старше меня. Но тем не менее, у нас вот эти 40 человек, что я делал, у нас было такое, что... У меня... АКМ. Один патрон остался. Рожка нет, он в стволе. Она F1. Это у нас всегда было. ГБ всегда. Для себя. Для себя. Я передергаю. Слышь, думаю, Птаху убить ранее. Ну так просто, как говорится, ради... меня истерзают, просто порвут меня,
изрежут себе птаху раненого, замучают, убьют все равно. Я вот держу усики, разгибаю палец, вставляю в чеку. Ну, мне остается только вот держу. Она 4 секунды колпак бьет, все. И вот ты знаешь, поражал ее, все. Ну, атлас дернул. Вот как-то вот у меня за, ну, может быть, 20-30 секунд вся жизнь вот так вот, опа, ушла туда-сюда, туда-сюда. А сам лично плачу. Слезы вот такие. Думаю, птаха, проси меня, брат. Держу ее вот так, вместе, да, вместе. Тяжело это. И смотрю, вертушка наша поднимается. Из-за горы вошла и бьет. Прошло все это. Ну, я не знаю, сколько это, может быть, 7 минут, может быть, 10 минут, может, 15 минут. Я сижу с этой бабкой. Лейтенант, они подходят, так говорит, успокойся, успокойся, спокойно все. Он эти усы опять раз, согнул, двинул, все, чеку отпускать. А у меня, знаешь, что, ну, взяло свое, не могу ее отпустить. А ее только раз, нажал, она все, сработало. Все, говорит, успокойся, успокойся. Мне потом... Столько людей сегодня. Мне пришло, сами 20 лет, а ни улыбки, ни... Здрасте, здрасте. Привет, привет. А какой был раньше? А ничего, все, все. Не хочу вообще ничего. Прям улыбиться, прям. Это просто... Бог, да и извини, может быть, я что-то лишнего там. Как мужик, мужика, ты меня понимаешь? Может быть, я никогда этому лишнему не говорю. Ну, иной раз, хоть просто вот это вот. Оно вот идет, идет выше, выше, выше. Предел есть. Beaucoup de gens du village étaient partis à la mine. Et quand il était revenu, il n'y avait déjà plus grand monde. Le village ne ressemblait pas à ce qu'il avait connu autrefois. Ça l'avait troublé. Il s'était senti pris au piège. Ceux qui restaient avaient trouvé comme lui refuge dans la vieille maison de leurs parents. Et ils vivotaient dans l'espoir que ça s'arrange. Mais les mauvaises herbes poussaient. Les chevaux retournaient à l'état sauvage. Et tout autour, l'immense forêt obscure s'était mise à dévorer les prés et les chemins qu'on lui avait laissés. Nous sommes les derniers, pensait-il. Les pauvres gens comme nous ne pourront plus se cacher au bout du monde. Bientôt plus personne ne saura qu'on vivait ici. Les filles étaient venues toutes les deux au village, comme ça, sans prévenir.
c'était la première fois que je les revoyais depuis toutes ces années. Elles avaient débarqué en camion. Je les vois encore descendre et venir vers moi. Mon cœur s'était serré. Ça faisait si longtemps. J'avais eu peur de les embrasser. Je savais pas ce qu'elles pensaient. Mais elles avaient eu des enfants. C'était des femmes, maintenant. Elles comprenaient pas pourquoi je leur avais enlevé leur mère. Je le voyais bien. Mais elles osaient pas m'en parler. Elles préféraient se faire du souci pour moi. Qu'est-ce que je peux dire? Elles comprennent pas. Elles comprennent pas pourquoi j'ai fait ça. Et moi, est-ce que je sais? Elles ont qu'à aller voir le dossier au tribunal. Y a rien à comprendre. C'est comme ça. Et comment tu fais ici, papa? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que j'ai fait. Виктор, значит, с другого. Ну, может, к пенсии приедет. Bon, je finis le dernier tamis. Ça fera 2 sous. Ça ira pour ce que je dois au magasin. Bonjour. Столько лет прожили с сестрой сейчас. Резко умерла и потерялся мужик. Не знаю, куда деваться. Le soleil se couche. Ça va encore avec la lumière. Peut-être que ma vue baisse. Hier, j'ai fait tout le tonneau avec mes lunettes. Comme un vieux. J'avais l'air fin. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez jamais eu de période rose, mais une période noire. Est-ce que ce ne serait pas un peu la Russie qui pourrait... Pourquoi ? La Russie qui serait pour vous une période noire, où, où vous rentrez vraiment dans le gras, entre guillemets, de vos personnages. Oui, enfin, ce qui les fragilise, oui. Ce ne sont que des individus fragiles que vous avez filmés, en tout cas, que ce soit dans ce fragile train. Fragile et fort, hein ? Fragile et fort, hein. Mais... J'aime beaucoup les Russes parce que ils parlent beaucoup. Ils aiment beaucoup se confier. Ils sont tourmentés, ils sont profonds, ils ont des vies absolument insensées. Et le verbe compte beaucoup pour eux dans des situations appropriées. Hein. Et le train... est une machine à raconter. Le train, c'est d'essence tchékovienne. On regarde par la fenêtre, on est coupé du monde. C'est comme moi en voyage. Hein. Les gens partent 3 jours en train, ils oublient tout. Souvent, ils se bourrent la gueule, ou même s'ils ne se bourrent pas la gueule, ils oublient tout. Et ils aiment bien, quand ils sont en platzkarte, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire des grands wagons où tout le monde voyage ensemble, roupille, mange, saucissonne ensemble, ronfle, c'est-à-dire 3-4 jours... une semaine, enfin 8 jours d'un point à l'autre. J'ai fait 60 000 kilomètres, 3 allers-retours. Les gens cherchent quelqu'un à qui parler. C'est pour ça qu'ils voyagent comme ça. Et notre vétéran... Alors j'avais un copain, un Biélorusse, qui ressemble à un ours blanc, qui est colossal, qui ressemble à une armoire à glace, doux comme un agneau, d'une finesse extraordinaire et d'une balourdise insensée, et que j'aime beaucoup, qui m'a fait découvrir tout ça. Et il m'avait dit, il faut qu'on fasse un train en platzkarte, viens avec moi. Donc j'avais dit, OK. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il parlait aux gens, puis il leur disait, tu sais, mon copain français, là, il filme, hein, tout ce que tu racontes.
Et donc, c'était lui qui était chargé du contact. Et je dis la vérité parce que ce personnage est un comparse. Tout film documentaire repose sur un dispositif. L'authenticité du documentaire, ce n'est pas l'authenticité du dispositif. Il y a des gens, quand ce film est passé à Lyon, qui m'ont dit « Ah, le personnage est avec la caméra. Ah, c'est un comparse. Mon Dieu !» On ne peut pas entendre une chose plus conne. Un film est fondé sur un dispositif, c'est-à-dire sur... un film est un entonnoir qui va récupérer les choses. S'il n'y a pas d'entonnoir, il n'y a rien. Un film documentaire sans dispositif, c'est du journalisme. C'est ce que vous voyez au journal de 20 heures. Il n'y a pas de dispositif. En réalité, le dispositif est encore plus cruel, puisque c'est un journaliste équipé de son droit de fouiner et de mettre son regard dans votre vie. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, un film documentaire repose sur un dispositif. D'ailleurs, il y en avait un qui était très intéressant par Lech Kowalski, que vous avez peut-être vu lundi, « I pay for your story », où le dispositif, c'est simplement « Venez, je vous file 10 balles et vous me racontez ce qui vous pèse sur le cœur ». Et dès lors qu'il y a un dispositif, c'est parfaitement authentique. Les gens ont envie de parler, ils ont envie de dire de quoi est faite leur vie, ils ont envie de dire... Et puis tout d'un coup... dans le film de Kowalski, mais qui est très intéressant pour mon dispositif, le simple fait de payer l'histoire, pas grand-chose, mais c'est quand même significatif, ça lui donne de la valeur. Or, qu'est-ce que c'est que la valeur ? Ça veut dire que ton histoire de vie de merde, elle est universelle. Ça veut dire que la tragédie peut être entendue par tout le monde. Et c'est pas seulement pour un reportage à la noix. Donc le dispositif, il produit ce qu'on recherche justement dans le documentaire. Donc moi j'avais un copain et on voyageait, on bouffait du saucisson d'âne, on se bourrait la gueule, on roupillait, on se lavait pas, donc au bout d'une semaine on puait le singe. Et lui, qui est un personnage tourmenté comme les autres passagers et qui leur ressemble physiquement... il leur parlait, et puis les mecs lui disaient, ou les femmes lui disaient, qu'est-ce que tu fous là ? Ben, je voyage avec un pote, il est français, il fait un documentaire. Ah bon, c'est quoi ? Ben, il regarde, puis moi j'étais là, je regardais par la fenêtre. Donc, tout d'un coup, les voyageurs se rendaient compte qu'on était tous dans la même barque. C'est ça, un film documentaire, c'est être dans le même bateau, partager la vie. Et donc les gens racontaient des tas d'histoires, des histoires de zapoy, c'est-à-dire des ivresses qui durent 15 jours, parce que quand les Russes y vont, ça dure des mois parfois. On appelle ça le zapoy. Terrible zapoy, c'est pas l'ivresse du soir, ou le lendemain matin on va au boulot. Hein. On se jette dans un tuyau dont on ne connaît pas la sortie, d'ailleurs si on a une. Et donc j'ai eu tout un tas d'histoires comme ça, parce que je pouvais... mettre ma caméra dans une position qui était particulière, elle ne dérangeait plus la confidence. Alors quand je suis dans un village de Nouvelle-Guinée, je parle la langue, je suis là depuis des années, je suis avec des voisins, dans un train, il n'y a pas de voisins, dont des gens qui montent et qui descendent. Et en même temps, ça leur donne une très grande liberté qui est celle de pouvoir vider leur sac sans craindre d'être jugé. Je ne connais pas leur nom, je ne les reverrai jamais. Ils s'en vont quand ils veulent, ils foutent le camp, et ils ont laissé une trace. Eh bien, ils en étaient très heureux, très heureux, très heureux. Et ils étaient très contents que quelqu'un les écoute sans comprendre leur langue. Et autant chez les Wolani, la nécessité de parler la langue s'imposait et me donnait beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, autant maintenant, j'aime beaucoup filmer des gens que je ne comprends pas. Je dis que je ne les comprends pas, c'est pas ça. C'est évidemment, quand le vétéran d'Afghanistan racontait son histoire, évidemment que je le comprenais. Le type était bouleversé, il pleurait, il était en nage. Je savais exactement ce qui se passait. Hein, et puis ensuite, j'ai traduit. Et tout ce qui a été traduit s'ajoutait à ce qui était déjà présent. Donc, je faisais la sélection de mes rushs sans traduction. Pas besoin. La parole est une image, c'est pas une information, c'est une image. Et
Et des fois, c'est une image qui vous est donnée sans que vous ayez rien prévu. Quand ce témoignage, oui. Au moment où de l'indécision, est-ce qu'il va lâcher cette goupille et tout faire sauter ou pas, il y a les battements de la lumière. Ça, ce sont les petits miracles du documentaire qui prouvent qu'il est bien vu des divinités supérieures. Je pense. En tout cas, cette scène très christique, pour parler comme Alain Cavalier, je pense qu'elle était bien vue en haut lieu et je peux pas m'en plaindre. Et ce type a sorti ce qu'il avait sur le cœur. Mais tous les gens qui parlent dans le film racontent leur vie de la manière la plus... Une mère qui se plaint de sa fille, qui ne revient pas parce qu'elle est avec son mari. C'est universel. Et... Donc le dispositif, c'était au lieu d'aller vers les gens, de les laisser venir. Et le train est un merveilleux véhicule cinématographique. Les gens s'oublient, ils regardent par la fenêtre, ils sont coupés du monde, ils ont envie de se parler, ils ont envie de se regarder. Et s'ils sentent que vous leur ressemblez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les emmerder avec des questions à la noix, les gens parlent, hein, Les gens ont envie de parler, ils ont envie de dire qui ils sont, toujours. Les chars de Sibérie qui apparaissent dans les forêts sombres avaient aussi envie de parler. C'est d'abord votre dernier film, en tout cas avant-dernier film, pardon, terminé. Puisque Chair humaine est un moyen métrage qui suivra les forêts sombres. Mais c'est un film où très clairement la fiction devient plus prégnante. Vous faites appel à un acteur assez fameux, Denis Lavant. Il y a quelque chose, il y a des inserts, ces plans récurrents sur un océan déchaîné. Alors que la télé qui a produit ça a failli rejeter par vomissements successifs. Mais comme tout, hein, comme tout. Le début d'Un été silencieux où on voit des herbes, la première question qu'on m'a posée, c'est pourquoi des herbes ? Qu'est-ce que j'en sais ? Ça, on broute les herbes dans les alpages, me semble-t-il. Voilà, donc, il me semble aussi. C'est la première justification à l'herbe. Sans herbe, pas de vache et pas de bras, pas de chocolat. Certes, mais il y a des contre-champs en fait qui n'ont rien à voir avec la réalité que vous filmez. Et puis il y a ce mode de narration. Vous passez grâce à l'acteur, mais c'est un texte que vous avez écrit, mais vous passez grâce à l'acteur du il au je. Nous sommes en fait inclus dans une histoire qui pourrait tout à fait être celle d'un roman ou d'une nouvelle. Oui, c'est une petite nouvelle documentaire tchékovienne, c'est-à-dire douloureuse et puis douce et amère. Je pense que les choses sont toujours douces et amères. Et surtout chez Tchékov, dont je m'inspire beaucoup, qui est à mon avis un des plus grands cinéastes documentaires qui soit, méconnu. Et... Là, c'était assez amusant parce qu'au début, je ne savais pas trop comment faire. Je voulais filmer ce type racontant son histoire, mais les gens soit sont capables de raconter leur histoire, soit ne sont pas capables de la raconter ou n'en ont pas envie. Donc, il m'avait raconté beaucoup de choses et beaucoup de gens m'avaient raconté sur lui et beaucoup de gens m'avaient raconté leur propre histoire. J'en ai écrit une qui est faite avec des bouts réels. Donc, ce n'est pas vraiment une fiction. Mais c'est une fiction parce qu'elle n'est pas elle n'est pas présentée comme justifiée par sa réalité. En réalité, ça pourrait très bien être une invention complète. Et d'ailleurs, le personnage ne dit rien. Et on le voit là, l'œil perdu, et rien de ce qu'on raconte n'est vu dans le film. Donc il y a une espèce de singularité. On raconte une histoire et c'est pas l'histoire du film. C'est comme si le film était le personnage venant de terminer l'histoire qu'il nous aurait racontée. C'est une nouvelle. Oui, c'est une nouvelle. Pour vous. Et les inserts de mer, on est à, je sais pas, 3000 km de la mer, hein, ou peut-être plus, et il n'y a pas de mer comme ça. Donc c'est une vue de l'esprit, très strictement une vue de l'esprit. Un paysage mental. Oui.
Je pensais à Échille, je pensais à la mer déchaînée, un truc plus grand que l'homme. Alors j'aurais pu montrer une étendue de neige, mais ça aurait ressemblé au paysage. Donc ça aurait été foutu. Il fallait que ça ne ressemble pas au paysage. Que ça ait la fonction d'un paysage qui ne ressemble pas au paysage. Donc j'ai mis deux plans de stock shot qui valaient 60 balles de mer un peu forte. Votre protagoniste, enfin les protagonistes, que ce soit de Quelques jours ensemble ou Les forêts sombres, sont en lutte, enfin, soit avec leur mémoire, leur vie brisée, qu'ils essayent de rassembler comme ça le temps d'une confession qui vous est pas jetée devant la caméra, mais en tout cas offerte. Mais ces deux films russes sont véritablement traversés par les conflits, enfin par des souvenirs de conflits. Est-ce que c'est ce qui vous amène aujourd'hui à filmer de véritables combattants, enfin de combattantes, puisque c'est le projet que vous avez actuellement en cours du côté de la Syrie? Et qu'est-ce qui change radicalement dans votre approche de ce terrain, si vous me passez l'expression, miné? Alors, je suis chez les Kurdes de Syrie depuis 2 ans et demi, et en particulier chez les filles, qui, comme vous le savez, sont aux premières loges avec les garçons. Quand je dis des filles, elles ont 20 ans, hein, 18-20 ans. C'est pas bien grand. Et elles se sont engagées à vie. Et elles sont là, je ne filme pas les combats, je ne filme pas la guerre. Je filme tout ce qu'il y a juste à côté, c'est-à-dire l'attente, la routine. Et je filme leur calme, leur équilibre, leur tranquillité, parce que ce sont des gens très déterminés, qui sont des combattants hors pair, non pas parce qu'ils seraient super entraînés avec des gros biscottos, etc., pas du tout. Les filles sont hautes comme 3 pommes, les garçons ne sont pas plus Rambo que ça, même pas du tout. Ils n'ont aucune exaltation, aucun fanatisme, pas du tout illuminés. 5 minutes avant leur mort, non seulement ils sont encore vivants, mais ils sont souriants et très détendus. Et j'ai été ébloui par ces gens. Et je les aime beaucoup et je les trouve très, 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 très bien. Et là, je suis avec eux. Je suis avec eux. Et donc, c'est assez difficile de filmer ça parce que dans un film comme ça, il y a 2 choses. Il y a tout ce que nous savons de cette guerre effroyable qui est traversée par le mal absolu, la haine absolue, la cruauté absolue, la folie absolue, absolue. Et quand on voit ces gens, on est assez rassuré, mais le film doit lutter contre toutes ces images et toutes ces idées. Donc les gens veulent voir du massacre, ils veulent voir de la guerre, des explosions, des machins. À la télé, chez Arte, tout ça, les gens disent « Ah, où sont les combats? Où est la première ligne ?» Voilà. Parce que, ça c'est un phénomène qui est très intéressant, que je connais depuis longtemps, mais les images que nous connaissons du monde qui nous entoure fabriquent des mythes. Et il y a un mythe que nous croyons bien connaître, alors que nous ne le connaissons pas du tout, c'est le mythe de la guerre, que nous ne connaissons, sauf exception, que par le cinéma. Et les gens pensent que la guerre, c'est comme au cinéma. Je peux vous dire que la guerre, ça n'est pas du tout comme au cinéma. Et donc, lorsqu'on filme la vie de la guerre et le temps de la guerre, les gens sont perdus parce qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'ils croyaient connaître. C'est exactement ça quand on filme des sauvages avec des plumes dans le derrière. On voit beaucoup de sauvages à la télé avec des arcs, etc. On en voit, en veux-tu, en voilà. Hein. C'est un des sujets favoris de la télévision. Et évidemment, les sauvages qu'on voit à la télé ne ressemblent pas aux gens qu'on voit sur le terrain. Pas du tout. Et leur vie ne ressemble pas du tout. De même pour la guerre. Et donc, on s'aperçoit que nous vivons dans un monde qui est
totalement déterminé par les mythes et les images mythiques qui circulent autour de nous. Donc on ne peut plus juger de la guerre autrement que comme on l'a vu à la télé ou au cinéma. On ne peut plus juger des gens qui habitent cette terre autrement qu'en se souvenant des images qu'on a vues à la télé ou au cinéma. Et donc c'est très difficile de lutter contre ça, en montrant les choses qu'on a vues telles qu'elles sont. C'est très très difficile. Est-ce que, puisque nous allons bientôt conclure cet atelier, quelqu'un dans le public souhaiterait intervenir, poser une question, une remarque? N'hésitez pas à vous manifester. Il y a deux micros qui circulent à gauche et à droite. Oui. Micro. Yes. Hello. I want to ask you if you're always have shooting alone in, or, and what, why is this decision to shoot alone without a team? Because when you try to share the simplicity of life, having a team is a hindrance, of course. When you are alone, you can stay the whole afternoon sitting and doing nothing. A team wouldn't do that. People would get nervous. Yes. I am nervous, but I don't show it. So being alone is... gives you the possibility of sharing time, things, life. And when you're a team, you're like an invader. You impose your own tempo, yes, your own impatience, urgency, your own longings, you know? When you're alone, you cannot do that. You're weaker. So you have to get in tune with what is in front of you. So It's a question of method. Okay, and another question that have relationship with the same thing is how you manage the sound when you're shooting alone. Well, I don't manage anything in the shoot. I do my best. But I have a microphone on the camera. On the camera. Yeah. Okay, thanks. Autre question, remarque? Oui. Le micro va arriver jusqu'à vous. Ah. Vous voulez intervenir d'abord ou c'est juste... ben, on court après les spectateurs comme vous courez vos... On court après les spectateurs comme vous courez après vos personnages, mais avec un micro cette fois-ci. Oui, ça. J'ai pas vraiment de questions, mais j'aimerais vous dire que j'ai reçu beaucoup d'émotions en vous écoutant, de la manière comment vous travaillez avec votre humanité, votre respect des autres. Et, il y aurait beaucoup de choses que j'aurais voulu partager avec vous. Je vais essayer d'être courte. J'ai ressenti beaucoup de nostalgie aussi en voyant comment vous montrez la vie de ces gens. J'aime aussi beaucoup marcher. Et j'ai eu la chance de beaucoup marcher là-haut, sur ton côté Himalaya. Mm-hmm. Il y a une référence que j'aimerais vous dire depuis que je vous entends à propos du regard au-delà de l'objet. Vous pouvez parler devant le micro, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais vous donner une référence de Pierre Sandors, qui a écrit un livre à propos du regard plus loin que l'objet. Et son livre s'intitule « L'invisible dehors ». L'invisible dehors. C'est très amusant parce que ce que vous dites, parce que je pense qu'il y a dans une image une certaine dose d'invisible
Et que cette dose d'invisible a commencé par le filmeur. On ne le voit pas, mais on le sent. Et donc je pense que, et par exemple la photo de Diane Arbus dont je parlais, c'est une photo qui est composée d'invisibles. C'est-à-dire que si on ne sentait pas le regard qui pèse sur cet enfant, cette photo n'aurait pas cette force. Donc je pense que dans une image, il y a une grande dose de choses qui sont en réalité visibles, mais pas visibles au sens où un objet est visible. C'est le point de vue qui est visible, qui est lisible, qui peut être décelé. En réalité, il est caché parce que nous ne sommes pas habitués à regarder dans une image les coordonnées de son point de vue. Nous disons que nous vivons dans une civilisation de l'image. Je crois que c'est faux, car nous sommes toujours, beaucoup plus qu'à la Renaissance, qui se posait évidemment la question du point de vue, puisque c'est à la Renaissance qu'on a inventé la perspective, qui est une invention, une pure invention, parce que nous ne voyons pas, comme la perspective de Brunelleschi et autres nous le montrent, à un point de fuite, nous voyons à deux points de fuite. Donc là, la perspective picturale est une fabrication, une fiction. Et nous sommes habitués dans cette soi-disant civilisation de l'image du XXIe siècle, alors que nous sommes des primitifs en ce qui concerne l'image, nous sommes habitués à ne regarder que l'objet et pas le point de vue qui est dirigé vers l'objet et qui donne présence à quelque chose qui touche, qui nous touche en tant que spectateur, qui est le point de vue. Alors on parle souvent dans le documentaire du point de vue, ça veut dire, mais il faudrait en parler de façon encore plus optique. Le point de vue, c'est le lieu depuis lequel quelque chose est vu, et ce lieu a une existence. Il n'est pas effacé dans l'image, il est présent. Et d'ailleurs, nous le sentons. On n'est peut-être pas capable de le dire, mais nous sommes capables de le sentir. Et toutes ces pensées dont je parlais tout à l'heure qui habitent une image et un film, toutes ces pensées, nous devons nous éduquer nous-mêmes à nous en souvenir et à les accompagner en même temps que nous regardons. Et dans ces pensées, il y a des perceptions presque inconscientes, en particulier nourries par le son, puisque le son est inconscient dans le film, puisqu'il est naturel, il va sans dire. Bon, le son, c'est à la fois le volume et l'inconscient. Et il faudrait que nous arrivions, quand nous regardons l'image, à sans cesse prendre conscience de ces paramètres d'énonciation, pour parler un langage pseudo-savant, c'est-à-dire de voir d'où elles sont vues et de comprendre que l'endroit d'où elles sont vues fait partie du plaisir ou du sens que nous éprouvons en les regardant. Et donc, quand vous dites « voir au-delà de l'objet », c'est exactement ça. Il faut arriver à percevoir ce qui n'est pas visible parce que nous ne nous sommes pas habitués à songer que c'est du visible. Et en réalité, c'est du visible. C'est du visible. Dans une image, il y a beaucoup de choses qui sont visibles que nous ne nous sommes pas habitués à percevoir consciemment et que nous percevons inconsciemment, fugitivement. Et il faudrait arriver à faire ce travail il faudrait que nous arrivions à faire ce travail sur la perception. Et je pense que ce travail sur la perception, le documentaire en est souvent le champ expérimental. Quel vilain mot, documentaire, c'est effroyable. Mais finalement, comme il n'y a pas d'histoire, parce qu'il n'y a pas de comédien, parce qu'il n'y a pas de scénario, et que donc on est embarqué dans un bateau qui ne sait pas où il va, ou guerre, finalement, il y a un truc qui apparaît peut-être plus facilement que dans le cinéma de fiction, qui est précisément le point de vue et ce rapport qui existe entre la chose ou la personne qui est vue et celui ou celle qui la regarde et qu'on ne voit pas et qui sent. Et toute image est sentie. C'est très intéressant, mais quand vous regardez des rushs, vous sentez quand le cinéaste se déconcentre et enregistre machinalement. On le sent dans l'image.
c'est un phénomène très curieux. Ce n'est pas du tout mystique. C'est que lorsque nous regardons, nous respirons. Notre œil devient un instrument à vent. Et la caméra bouge autour de l'objet. Elle respire avec lui. Et quand l'image ne respire plus avec la scène ou avec l'objet, on le sent physiquement et on s'emmerde. Alors que quand l'image ou la caméra est attentive, qu'elle sent ce qui se passe, le spectateur le sent évidemment. Mais ça, c'est des choses qu'on sent au plus profond de nous-mêmes, mais qu'on n'est pas capable de dire, tout simplement parce que c'est ingurgité profondément et qu'on ne nous a jamais demandé de les ressortir, ces choses-là, de les exprimer. Mais le cinéma documentaire nous demande de faire attention à ça. Et une grande partie de la jouissance du documentaire vient de la mise à la conscience, de l'arrivée à la conscience du plaisir de sentir que les choses sont vues et qu'il n'y a pas seulement un objet intéressant à garder, mais que les choses sont vues. Et il y a de grands génies comme Johan van der Keuken, qui est un instrumentiste, qui joue de sa caméra comme d'un instrument de musique. Et s'il y a bien une chose qu'on sent chez van der Keuken, c'est que toute image est vue. Et on sent un plaisir qui est brûlant, qui est comme celui de John Coltrane chantant dans son instrument, ou de Yehudi Menuhin qui a transformé son instrument à cordes en instrument à vent. Vous savez que Yehudi Menuhin est le violoniste de la respiration, et il nous fait sentir la respiration quand il tire l'archet ou quand il le pousse. C'est pas pareil, inspiration, expiration. Et on sent la même chose dans une image si on y prête attention. Et je pense que c'est, enfin, que le plaisir du documentaire se trouve là. Autre question, remarque, et je pense que ce sera un peu la dernière, puisque nous devrons bientôt libérer la salle, donc il vous reste 2 minutes pour réagir. Non ? Sans regret ? Bon, et ben on va vous laisser continuer votre voyage, Stéphane Breton. Et votre dernière intervention autour du cinéma documentaire comme finalement champ de force ou échange d'énergie entre filmeur et filmé, ça me fait penser aussi à ce que pouvait dire Patrick Lebout, qui est un critique belge itinérant. Il disait en substance quelque chose de très simple, 2 points, un plan, virgule, ça écoute. Fin de citation. Merci beaucoup, Stéphane Breton.